Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Merci pour nos invités. Bienvenue sur le plateau, ça se discute. Vous avez vu la question du jour. En France, il y a 15 millions de couples, ce qui, d'après un calcul rapide mental, fait quand même 30 millions de personnes qui essayent de vivre ensemble. Alors comme ça, sur le papier, vivre à deux, ça peut paraître assez banal. C'est pourtant la plus grande aventure de notre existence. Une grande aventure qui nous concerne tous, mais la vie à deux n'est pas pour autant un long fleuve tranquille. C'est un parcours ponctué de petits bonheurs, de grandes épreuves, avec en toile de fond cette éternelle question. Comment savoir si on est vraiment fait l'un pour l'autre? Certains sont convaincus, dès le premier regard, d'être taillés sur mesure, car l'amour est une alchimie qui est parfois soudaine, qui est toujours mystérieuse. D'autres croyaient avoir trouvé l'âme sœur, mais le ronron du quotidien les a rattrapés. Aujourd'hui, ils tentent de raviver la flamme originelle ou pensent carrément avoir fait fausse route. Et puis, il y a ces millions de célibataires qui se demandent sans cesse où se cache celui ou celle qui leur conviendra parfaitement. Couple, amour, comment savoir si on est fait l'un pour l'autre? Vaste question, grand chantier, la parole est à nos invités. Je vous présente Anne-Catherine et Olivier, bonsoir à tous les deux. Anne-Catherine, vous avez su qu'Olivier était le bon, le seul, l'unique, je le regarde. À quoi ça se voit? En fait, j'ai su qu'on était fait l'un pour l'autre parce que même avant qu'on se soit vu une fois, même avant qu'on se soit parlé au téléphone, je l'aimais déjà. Comment c'est possible? On s'est rencontrés sur Internet, enfin par un site Internet. Et il me manquait alors que je ne l'avais jamais eu au téléphone, je ne l'avais jamais vu. Je ne savais pas quel visage il avait, je l'aimais déjà. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fera 3 ans au mois de mars. 4 millions de personnes se cherchent sur Internet actuellement. Vous en avez fait partie? Oui. Vous avez décroché? Oui. Ça y est. Julien est avec nous, bonsoir Julien. Bonsoir. Julien, vous êtes tombé amoureux de Sophie, vous aviez 18 ans à l'époque. Oui. Qu'est-ce que vous ressentiez pour elle avant de succomber à ses charmes? Plus du mépris, un petit peu de... Pas vraiment de mépris, on se comprenait pas en fait. On était complètement opposés, elle était vraiment cœur à vif et puis moi très respectueux des valeurs. Et elle? Un petit peu tête brûlée, j'allais dire, irrespectueux. Elle avait tendance un petit peu à répondre à tout va, que ce soit des professeurs, que ce soit un petit peu... C'est quasiment la haine, quoi. Oui, vraiment. Entre nous, c'était vraiment pratiquement la haine, on va dire. Oui. Et c'est devenu le grand amour. C'est devenu le grand amour. Vous nous raconterez ça. D'accord. Magali, bonsoir. Bonsoir. Magali, il y a 5 ans, vous avez eu un coup de foudre pour Nicolas. Oui. Alors, votre osmose vous a conduit à vous engager pour la vie, oui. Comme ça nous arrive parfois. Est-ce que le bonheur tant attendu était au rendez-vous? Non. Le bonheur tant attendu était au rendez-vous dans un premier temps. C'est-à-dire? On s'est mariés civilement et il est parti entre la mairie et l'église. Donc 10 jours après le mariage civil. Donc vous êtes dit oui? Oui. Officiellement? Voilà. Vous étiez mariés? Mm-hmm. Et avant l'église, il s'est... Il est parti. Ouais. Vous êtes toujours mariés aujourd'hui? Oui. Et vous en êtes où? On en est dans la situation où il n'envisage pas la procédure de divorce. Mais il n'a pas envisagé non plus de revenir à la maison alors que j'étais prête à lui pardonner. Donc c'est ni oui ni non? Voilà. Ou oui ou on, mm-hmm. Quelque chose comme ça. Marie est avec nous également. Vous avez mis, bonsoir. Vous avez mis 6 ans avant de comprendre que Franck était l'homme idéal pour vous. 6 ans, ça fait long quand même. Hein. Très long, oui. Pourquoi vous avez pris autant de temps? Mais en fait, j'ai rencontré Franck, j'avais 17 ans et demi, et lui en avait 21, et il a été incarcéré pour complicité d'assassinat, condamné à 20 ans. Donc ça a été un long parcours du combattant pour arriver à... Quand on est si jeune, il faut accepter l'idée d'avoir à attendre aussi longtemps. Oui, oui. Il est en prison actuellement? Non, il a été libéré depuis. Et comment ça va avec Très lui? Bien. Ça valait le coup? Oui, oui. Bon. Notre spectateur privilégié de ce soir est écrivain. Il publie chez Robert Laffont, Il était une fois l'URSS. Et puisqu'on parle de couple ce soir, il est accompagné de son épouse. Alors c'est étonnant, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Dominique Lapierre. Et Dominique Lapierre. Étonnant, non? Ça vous amuse, je suis sûr, non? Bonsoir à tous les deux. Content de vous recevoir. Ça vous fait rire encore, parce que nous, ça nous a surpris de manière assez flagrante. Donc, vous vous appelez Dominique Lapierre? Dominique, mais je suis le petit Dominique dans notre ménage. Ma femme est la grande Dominique. Mais ça a été vraiment une histoire d'amour qui a commencé d'une façon bizarre, parce que moi j'ai un certain nombre de critères. Je pense que de rire ensemble, l'humour, c'est très important. Mais quand j'ai reçu le premier coup de téléphone de Dominique, je faisais avec mon collègue Larry Collins un livre sur l'Espagne, la guerre civile espagnole, et on avait besoin d'une assistante. Et j'ai reçu un coup de téléphone de Dominique. La première question que je lui ai posée, c'est « Est-ce que vous savez faire la cuisine ?» Et elle m'a répondu « Non, mais je sais taper à la machine. » Elle est venue et c'était il y a 42 ans. Waouh ! Bravo !
Comment vous appelez-vous mutuellement dans l'intimité? Vous vous appelez comment l'un l'autre? Ah, Dominique a plein de petits noms, mais c'est pas Tatou. Nous. Pour moi, c'est Tatou. C'est le nom que j'aime lui donner. Et vous? Que je crie dans les aéroports, avec lequel on se rencontre et avec lequel je l'appelle. Et la parole est à la grande Dominique. Alors, et vous? Moi, je garde pour moi. Ah bon, d'accord, très bien. Ah, mais je voulais pas vous le prendre. Hein. Non, le petit nom. Le petit nom, j'avais bien compris. C'est Chéri Amour. Je peux vous dire, c'est Chéri Amour. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission de ce soir? Comment savoir si on est fait l'un pour l'autre? C'est extrêmement intéressant parce que je me suis souvent posé la question. C'est extrêmement difficile de savoir comment on peut être fait l'un pour l'autre. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de critères. Mais je pense surtout, vous voyez, moi je suis journaliste de formation, j'étais écrivain, que c'est un contact. Hein. On va parler sûrement de ces rencontres sur Internet. Ah mais oui, pour moi, beaucoup. Ça me paraît extrêmement bizarre, extrêmement étonnant. Moi, j'ai besoin de voir la personne en face de moi. Il y a des photos, hein, ah oui, en face. Oui. en face de moi, si je la vois à cheval, je sais que je l'aimerais parce que j'adore les chevaux. Si je la vois sur une route de l'Inde, sac au dos, en train d'apporter des secours à des gens qui ont subi des inondations, je sais que je l'aimerais. D'accord. Vous l'aimez? Oui. Vous l'aimez? Oui. D'accord. Merci Dominique. Et merci Dominique. Nous passons à nos invités à qui nous avons consacré un reportage. On va commencer avec Marie-Claire et Olivier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Je peux vous demander votre âge? J'ai 55 ans. Et vous? 29. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Presque 4 ans. Comment ça roule? Compliqué, hein? C'est un peu compliqué, c'est pas un long fleuve tranquille, hein? Non, bah, comme je dis, vivre avec Olivier, c'est marcher dans un champ de mine, on ne sait jamais où on va poser le pied. Ouais. Mais c'est très vivant. Et ça fait 4 ans que ça dure, vous êtes un couple qui marche, oui. Très amoureux l'un de l'autre, on va pouvoir s'en rendre compte, et pourtant vous ne pouvez pas vous empêcher de vous disputer à longueur de journée. On a presque l'impression que vous aimez ça, vous, non? Oui, j'aime ça. C'est votre moyen de communication? Tout à fait, oui. Moi, j'avais pensé que c'était les femmes qui aimaient communiquer de cette façon-là. Non, moi j'ai subi déjà ça, j'ai été mariée 4 fois auparavant. Ah bon? Oui, 4 divorces de mon fait propre. Et j'ai dû dire quelque chose qui fait rire. Ah non, pas du tout, non. Mais... Et par contre... Quelle lionne. J'ai remarqué quelque chose, que ce n'est pas parce qu'on s'entendait dans la vie sans nuage total qu'il n'y avait pas forcément départ. Ok, un extrait de ce reportage. Bon, alors maintenant, tu me donnes un coup de main. Dis donc, je suis pas un chien, tu pars sur un autre ton. T'as pas de main gauche, quand même. Va t'occuper. C'est ça, va dans ton coin. Tu veux pas que j'aille à la niche non plus, non? Bon, allez, ça y est, pars. Tu fais chier. Oui, je sais. Mais tu viens quand même. Regarde. Non, ça te changerait quand même de ce que t'as, mon j'aime sang. Pas. Mais tu dis que t'aimes pas, t'as même pas essayé sur je toi. Je sais tout de suite que j'aime pas. Les oh, gens. Tu fais chier. Merde. T'es con. On fait la paix. Ça vous fait douter, ça, ou pas? C'est pas possible de douter. Parce qu'elle insiste. Donc si elle insiste, ça veut dire vraiment qu'elle veut qu'on reste ensemble. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. On va voir que les textos fonctionnent bien aussi. Entre vous, les textos. Vous pratiquez le texto, non, Dominique? Le texto. Pardon? Vous pratiquez le texto. Le texto, qu'est-ce que c'est? Le texto. Le SMS. Non, moi je pratique le feutre ou l'aquafique. C'est avec ces deux instruments que j'écris mes livres. Oui. Heureusement que j'ai quand même un ordinateur pour taper ces livres. Vous connaissez Internet, vous, comme dirait votre mari? Je suis bien obligée. Oui. On passe aux amours Internet avec Estelle et Sophie. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Vous êtes célibataire, je précise pour ceux qui nous regardent. Et vous faites partie des 4 millions de Français et de Françaises qui tentent l'aventure de la rencontre sur Internet en essayant de trouver la chaussure à votre joli pied. Alors on a réalisé avec nos équipes une grande enquête pour savoir comment ça fonctionne, est-ce que ça marche. Évidemment, des couples qui sont formés grâce à Internet, il y a aussi pas mal de désillusions. En tout cas, vous allez voir un extrait de cette enquête qu'on vous proposera dans la troisième partie de l'émission et qui est assez copieuse et qui peut-être donnera l'idée à ceux qui n'osent pas de passer à l'acte. Regardez. La personne qui serait faite pour moi serait quelqu'un qui me plairait physiquement d'abord, quelqu'un qui me ressemble, qui a envie de s'investir dans sa vie professionnelle. Il faut qu'il soit drôle, du caractère, du charisme. Bien de sa personne, qui accepte mon humour parfois corrosif.
Pour tous ceux qui cherchent le grand amour sur Internet, les sites de rencontres ont mis au point des tests psychologiques, censés garantir une certaine compatibilité amoureuse. Dans ma relation aux autres, je dirais que je suis plutôt téméraire ou réservée. Ah, téméraire. Pareil. Alors, pour moi, la meilleure manière de réconforter celui que j'aime, c'est lui apporter l'écoute dont il a besoin, trouver des solutions avec lui. Oh, trouver des solutions. Alors, tu fais... Bon, alors lui, je vais voir, on est compatible à 84%. Il habite en Seine-Saint-Denis. Vos valeurs communes. Ah, on partage. Allez, 83% de valeurs communes universelles. C'est extraordinaire. Tu l'as trouvé? Ça, je l'ai trouvé. C'est génial. Vous avez trouvé? Non. Vous avez rencontré des garçons? Par Internet? Oui. Bonne surprise? Ou que des mauvaises? En fait, non, pas de mauvaises surprises, mais... Des surprises? Des surprises. Beaucoup de surprises. Quel genre de surprises? Des surprises de taille. Mais pas dans le même sens. D'accord, on parlait de hauteur. Voilà. Alors, précisons. Oui. On verra comment ça se passe avec vous, avec vos surprises. Laurent et Sandrine sont nos invités également. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes tous les deux, vous avez le même métier. Oui. Vous êtes fonctionnaire de police. Oui. Il y a 2 ans, vous étiez en planque. Oui. Pour les besoins d'une enquête. Tout à fait. Comme dans les films. Oui. Et vous avez rien vu à part... Vous vous êtes rencontrés mutuellement, c'est ça, à ce moment-là? On n'a pas fait trop attention à la cible qu'on était censé surveiller. Par contre, on a trouvé la mort, une autre cible beaucoup plus intéressante. Alors que vous étiez tous les deux en couple, déjà, oui. Chacun de votre côté, mariés? Mariés. Vous aussi, avec des enfants? Oui. Chacun de votre côté? Des enfants. Et plutôt bien dans votre couple, en plus? Plutôt pas mal, avec des hauts et des bas, on va dire. Ouais. Plutôt dans une sorte de routine dans nos couples. C'est donc un coup de foudre? On peut dire ça. Vous êtes bien ensemble? Ça a l'air, en tout cas. Hein. Parce que c'était lui, parce que c'était elle, c'est ça, un peu de choses près. On regarde ce reportage, une osmose donc soudaine mais qui s'est confirmée. Vous nous avez accueillis chez vous, le petit nid d'amour. Au quotidien, tout vous rapproche. Quand l'un commence une phrase... L'autre la finit, généralement. Quand l'un pense à quelque chose... Pareil. Quand l'un veut faire crack... L'autre fait crack aussi. Et vous pensez même vous être reconnu dans une vie antérieure. C'est un reportage de Jean-René Chaperon et de Virginie Ders. Vous êtes bien. Respirez calmement. Votre respiration est calme et régulière. Vous vous laissez aller, vous vous abandonnez, vous n'entendez que ma voix, vous êtes bien. Rien ne vous dérange maintenant. Vous vous détendez, vous vous apaisez, vous vous relaxez profondément. Et chaque mouvement respiratoire, inspire, expire, que vous effectuez, vous vous approfondissez agréablement. Je vais toucher votre bras. Il est lourd, il est pesant. Je le prends, je le soulève, il retombe comme une masse, totalement. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. La porte s'ouvre. C'est mal. Bien. Vous la ressentez, mais est-ce que vous la percevez? Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la visualisez? Ça m'aveugle. Sandrine. J'ai un faux Sandrine. Détendez-vous. Lorsque vous allez sortir de cet état, vous vous souviendrez de ce que vous avez vu, ressenti. Vous ouvrez les yeux, reprenez contact avec le monde extérieur. Vous revenez d'un très long voyage qui a réveillé certains souvenirs. Ça va ? Vous vous sentez bien ? Ce n'est pas été niveau des perceptions. Comment vous êtes-vous ressenti? Mal. Très mal? J'ai eu mal à un moment. Et à un moment, j'ai vu Sandrine qui passait dans une image qui m'a tiré dans d'autres images. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'avais mal. Souvent, entre Sandrine et moi, on se dit que notre amour est un peu extraterrestre, quoi. C'est parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce qui existe entre nous lorsqu'on se touche, lorsqu'on se regarde, lorsqu'on...
Et l'hypnose, la régression, c'était un moyen pour moi peut-être de me dire pourquoi pas et pourquoi je ne l'aurais pas croisé dans une autre vie. Une séance en général, ce n'est pas suffisant. Mm-hmm. Ce n'est qu'à partir de la deuxième, voire troisième séance que les images se précisent. Moi, c'est ici que j'ai eu mon coup de cœur pour toi. Hein? Ouais. Laurent et Sandrine sont tous les deux policiers. Il y a 2 ans, ils se sont retrouvés en planque dans ce terrain vague. C'est dans cet endroit peu romantique que les simples collègues de travail qu'ils étaient sont devenus des amants inséparables. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas trop changé quand même. Bon, à part qu'il y avait quelques cachettes de salade en plus, mais ça a pourri. C'est vrai que l'endroit était pas très romantique, mais bon. Je me sentais super bien et j'avais plus envie de te quitter, c'était... Et bon temps, hein. C'était fort, quoi. Je pensais qu'à une chose, c'était que je m'embrasse. Là, au milieu des cagettes, là. Ouais, moi, je trouvais ça mignon. Romantique. Ça romantique, ouais. Bon, j'avoue qu'on n'a pas trop surveillé ce qu'on devait surveiller, quand même. Hein. On était quand même là pour le travail. Hein. Faut pas l'oublier, mais bon. Je te rappelle. Hein. Mais bon, là... Là, on était un peu partis ailleurs, là. Moi, j'ai froid. Juste un tout petit baiser échangé, mais pour Laurent et Sandrine, c'est l'évidence. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ça alors, hein? Il est en terreau, hein? Tu pouvais pas faire mieux, hein? Non. C'était bien une rue qui nous était destinée, ça. Tu m'étonnes. Tu avais vu qu'elle s'appelait comme ça, toi, la rue, quand on a choisi le terrain? Non, pas au début, c'est après que je l'ai vu quand on a signé l'acte, en fait. Depuis 2 ans, Laurent et Sandrine vivent ensemble. Ils ont acheté une maison. Ils ont eu Kylian, un petit garçon âgé de 3 mois. Ils étaient pourtant mariés et avaient déjà un enfant, chacun de leur côté. Mais convaincus de leur amour l'un pour l'autre, 15 jours ont suffi pour tout quitter et changer radicalement de vie. C'était irrationnel, quoi. 15 jours, tu peux pas tout plaquer comme ça. C'est moi, je lui ai dit fou, à mon ex-femme, quand je l'ai quitté, je lui ai dit moi aussi, je lui ai dit que ça faisait 15 jours, mais il m'a pas cru. Il a cru que je me foutais de sa gueule. Hein. C'est clair. Voilà, ça c'est les radios d'il y a 5 ans, 6 ans en arrière, du temps où j'avais des ulcères, des ulcères nerveux, des petits cailloux, des calculs rénaux, comme on appelle, qu'on peut voir ici. C'est du temps de ma vie d'avant. Depuis que j'ai rencontré Sandrine, depuis 2 ans, je n'ai plus jamais eu de douleur pour les ulcères, j'ai plus jamais fait de crise. Quant aux calculs, ben ça c'est le dernier qui me restait. Et qui s'est évacué tout seul il y a 4-5 mois en arrière. C'est pour ça que je pense que quand on aime, quand on est vraiment amoureux, quand on est vraiment équilibré, ben on retrouve forcément toutes les forces qu'on peut avoir en soi, quoi. Tiens, regarde. Tu vois, regarde. Déclaration sous le pont des soupirs. Je t'aime, ma fiancée. Là, t'avais déjà pleuré, là. Comme une madeleine. Pourquoi? Parce que Didou, il avait demandé à maman si elle voulait bien devenir ma femme. Non. Tiens, regarde la bague. C'est la bague de maman. Elle était belle, cette gondole, en plus, regarde. Ça t'avait fait quoi? Ça m'avait tellement ému que j'en ai pleuré pendant un quart d'heure. C'était fort. Tu en avais fait des cachottes, rien, pour organiser tout ça. Tu penses? Le jour où Sandrine a présenté Laurent à ses parents comme le nouvel homme de sa vie, ces derniers n'ont pas pu s'empêcher de rester perplexes. Ouais, ça va, Jordi. On est tout beau. Hein? J'ai dit, mais c'est pas possible, ma fille. Ça, c'est un garçon, il parle beaucoup, comme tous les hommes. Hein? Il faut que tu fasses attention, parce que c'est pas normal. Un homme parfait, ça n'existe pas. Faut pas exagérer, hein? Connaître quelqu'un au bout de 15 jours et dire, ah, c'est l'homme parfait, c'est l'homme de ma vie, moi, j'y crois pas. Et maintenant, tu crois? Oh, ben ouais, maintenant quand on vous voit, bon, peut-être oui. Hein, on sait pas si ça durera toute la vie, mais bon, apparemment, vous avez la fâche amoureux. Hein? Et puis, ils ont fait une belle chose, hein, papa et maman. Il y a quand même après les habitudes qui arrivent, et que bon... La routine s'installe. Mais... Voilà, il y aura une routine au fil des ans. Est-ce que vous resterez comme vous êtes aujourd'hui? Je le souhaite de tout mon cœur. Allez, on va prendre le bain. Allez. Toi, t'es le visage de l'amour de maman et de papa, toi. C'est quand on te regarde, on voit que... Maman et papa, ils avaient raison. Hein. On était tellement en fusion qu'on a fait un très très joli petit bébé. Ouais. Qu'est-ce que c'est? On fait toujours les mêmes choses, hein, quand tu me mets là comme ça, quand tu me caresses, quand ta peau me touche comme ça. Ça me fait toujours la même chose que la première fois. Hein.
une chaleur, un picotement. Tout ça? Ah ouais, tout ça. C'est même pas facile à l'expliquer, quoi. C'est un besoin permanent que tu me touches. Que... C'est aussi à ça que j'ai su qu'on était fait l'un pour l'autre. C'est parce que quand nos peaux se touchent, elles sont... D'abord, elles sont attirées l'une par l'autre. Et puis quand on se touche, elles sont... Elles sont complémentaires. C'est comme si elles n'avaient été qu'une. Ça te le fait pas, toi? Si, pareil. Voilà, ça va. Ça va vous parler de sexe. Alors, première question. Votre partenaire atteint l'orgasme avant vous, puis s'arrête pour se blottir contre vous. Vous êtes un peu frustré, mais il ou elle ne fait pas mine de vous satisfaire. Que faites-vous? Pff, mais ça arrive pas, alors. Allez, deux. Dimanche matin, vous et votre partenaire vous retrouvez seul à la maison, tiens, sans les enfants cette fois-ci. Et vous n'avez rien de prévu. Comment choisissez-vous de passer la journée? Au lit à vous câliner? Au lit à somnoler en lisant les journaux? En vous levant d'un bon pied pour faire des courses et tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire d'habitude? Moi, non, c'est ça. Ah. Pareil. Calculez votre résultat à l'aide du tableau ci-dessus. Bon, alors là, on a pareil. Vous avez tous les deux les mêmes besoins, le même niveau de désir. En général, vous avez envie des mêmes choses au même moment. Vous savez comment réagir aux avances de l'autre ou à leur absence. Oui, ça me correspond mieux. Par amour pour Sandrine, Laurent a fait bien plus que de lui décrocher la lune. De toute façon, j'amène ça, mais je sais pas pourquoi je l'amène, parce que... On a juste à lever les yeux pour regarder l'étoile la plus brillante de l'univers et de se dire que t'es juste à côté. Est-ce qu'on va la trouver, cette étoile? Alors, j'ai pris contact avec un institut, l'Institut d'astronomie de New York, et je leur ai demandé si je pouvais acheter une étoile. Et donc, j'ai acheté cette toute petite étoile qui, depuis le 3 décembre 2004, s'appelle Sandrine Renon. J'ai pas besoin d'étoile, j'ai juste besoin de toi, c'est tout. Mignon. Joli, non? Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Vous êtes surprise. Vous êtes surprise. Je suis surprise. Par quoi? C'est charmant. Mais? C'est un peu trop kitsch pour moi, mais bon, je... Mais bon, ils sont très heureux et j'en suis heureuse pour eux aussi. Quoi. Non, c'est sur l'étoile, vous n'avez pas l'air aussi enjoué que votre compagnon? Oui, on peut dire ça. Ça fait une première ombre au tableau? On peut pas dire que c'est une ombre, mais bon... Pourquoi? Ça vous plaît pas? Je sais pas, je trouve ça un peu trop, quoi. Un peu trop. Vous dites avoir su, donc, au moment de cette planque, derrière les salades pourries, que c'était elle et pas une autre. Comment vous avez ressenti ça précisément? C'était presque chimique, physique. Dès que nos peaux se sont touchées un tout petit peu, j'ai vraiment eu l'impression que je l'avais déjà croisée, que je connaissais cette peau. Quand je l'ai vue, parce qu'on a travaillé pendant 8 mois ensemble sans vraiment se voir, parce qu'on n'était pas dans les mêmes brigades, j'étais son chef, on n'était pas du tout ensemble. Et quand on s'est vu pour la première fois, j'ai eu vraiment l'impression de la reconnaître. C'est comme si, immédiatement en un regard, je m'étais dit « mais c'est elle ». Et d'ailleurs, je ne me suis pas posé longtemps la question. Et pourquoi vous allez plus loin aujourd'hui? Pourquoi vous voulez monter dans le ciel? Pourquoi vous allez voir un hypnotiseur? Je ne sais pas pourquoi. En fait, je me dis souvent que notre histoire est pas très, sort un petit peu de l'ordinaire. Quoi. C'est vrai que ce n'est pas très ordinaire. On a un regard de se dire « mais c'est lui ». C'est lui, je le reconnais. Donc je me dis pourquoi pas. J'avais déjà entendu des gens qui avaient fait cette expérience. Je me suis dit après tout pourquoi pas. Si effectivement on a eu des vies antérieures, peut-être que je l'ai croisé dans une vie antérieure. Ça pourrait expliquer pourquoi quand on se touche, on a l'impression de ne faire qu'un. Mais est-ce qu'il faut expliquer absolument l'amour, vous pensez? Non, pas forcément toujours expliquer l'amour. D'ailleurs, j'ai trouvé des éléments de réponse avec cette hypnose, mais j'en aurais pas trouvé, c'était pareil. J'ai pas besoin de trouver des explications. Simplement, c'est juste pour me dire, bah, on a eu raison. Quels sont les débuts d'explications que vous avez trouvées sous hypnose? J'ai trouvé à un moment une image sur laquelle la sensation que j'avais d'être avec Sandrine, comme si c'était Sandrine qui m'avait projeté dans une image, et cette image d'un temps qui remontait dans les temps 1700 et quelques, 1800, était l'image d'une femme avec 2 enfants dans chaque bras, qui avait l'air d'être des jumeaux. Et j'ai peut-être trouvé, je me suis dit, peut-être qu'on a été jumeaux dans une autre vie. Ce qui pourrait expliquer ce contact, cette puissance qu'on a quand on se touche. Ouh, c'est incestueux ça, c'est interdit par la loi, monsieur le lieutenant de police. Bon, ce que vous aviez construit chacun de votre côté pendant des années, vous avez mis combien de temps à le déconstruire? 15 jours. Même pas. 15 jours. Enfin, on a pris 15 jours pour prendre la décision de partir, pour l'annoncer à l'autre. Mais la décision, elle a été prise immédiatement, quoi, quasi. À la fin de la journée, pour ainsi dire. De la planque, ouais. Toujours. Oui. Ouais. Comment vous l'avez dit à votre mari? Entre quatre yeux. Vous avez dit quoi? J'ai dit, voilà, il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. Et ça remet en cause notre couple. Et vos enfants? Ma fille,
Elle est heureuse quoi, aujourd'hui encore. Donc... Qu'est-ce que vous avez dit à votre femme? Moi, j'ai pris une grande respiration et elle m'avait tendu la perche en me disant qu'elle estimait qu'on n'avait plus grand-chose à se dire. Et je lui ai demandé d'en tirer les conséquences et je lui ai expliqué que moi-même aussi, de mon côté, j'avais rencontré quelqu'un. Alors c'est sûr que... C'était pas un peu une revanche, ça, non? Non. 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 Non, parce que j'avais sorti mon couple de la petite embrouille dans laquelle il était. J'étais en train de gagner la bataille que je menais dans mon couple. Donc, j'avais aucune raison d'aller voir ailleurs. Je m'étais battu. J'avais vraiment fait absolument tout ce que j'avais pu pour sauver mon couple. Et donc, je l'avais sauvé. Donc, vous êtes parti vainqueur, quoi. Oui. Et elle est restée comment, alors, la pauvre? Elle est restée surprise parce qu'elle ne s'y attendait pas. Elle est restée vexée parce qu'elle ne s'attendait pas à être quittée. C'est elle qui avait la main. Voilà. Et c'est vous qui l'avez prise. Et c'est Sandrine qui m'a aidé à la prendre. Qui a pris la main de Sandrine. c'est quand même assez bizarre de ce sentiment amoureux qui fait que tout s'efface et tout s'emporte. Est-ce que vous pourriez expliquer à tous ceux qui ne connaissent pas encore le grand amour ce qui se produit à l'intérieur d'une femme quand ça arrive? Oui. Bah, tout à coup, je me suis sentie comme une adolescente, quoi. Légère, comme une adolescente. Lors de son premier flirt, les premières émotions, tout qui s'emballe à l'intérieur. Pendant que vous parlez, je vous imagine en tenue de gardien de la pêche. Mais j'étais pas en tenue, j'étais en civil. Non. Et c'est l'euphorie, quoi, à l'intérieur. Et je sais même pas, je trouve pas les mots, c'est énorme, quoi. Permettez-moi de vous poser la grande question. Voilà 2 ans que vous recoulez comme 2 tourtereaux. 2 ans, est-ce que c'est suffisant pour que la magie d'aujourd'hui vous dise que ça va tenir toute la vie? Ben, je dirais que quand on a choisi de tout quitter, on s'est dit que ça pourrait durer 1 mois, 6 mois, 1 an. Ah oui, on ne voulait pas passer à côté. Oui. On ne pouvait pas passer à côté. Moi, je n'aurais pas pu me regarder en face dans la suite de ma vie en me disant « je l'ai laissé passer ». Ce n'était pas possible. Je vais donner la parole à Nathalie qui va vous parler, Sandrine et Laurent, de son coup de foudre à elle, qui commence comme le vôtre, mais... Nathalie, c'est vous? Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous aussi, vous avez trouvé l'amour sur votre lieu de travail? Oui. Pas en planque. Comment s'est produit le grand flash en ce qui vous concerne? Pas tout de suite. Et il m'a invité à sortir. Il était commercial, j'étais pas fan des commerciaux. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, c'était comme ça. J'aimais pas leur façon de faire. Ouais. Et puis, je vivais avec quelqu'un, j'étais pas malheureuse, j'étais pas malheureuse. Ouais. Et finalement, on est allé au cinéma. J'ai découvert... Quel vendeur, ce commercial, au cinéma! On est très commercial, absolument. Ouais. Il a été parfait dès le départ. Ouais. Et ensuite, je me suis rendu compte que ce n'était pas la même personne, en fait. J'ai rencontré une personne et pas un commercial. Voilà. Comment vous avez trouvé le moyen de passer à l'action? En l'embrassant, avant de sortir de la voiture. Il fallait que je fasse ça, de toute façon, c'était important. Avant de rejoindre votre compagnon? Non, il était en vacances. Ah bon? Une semaine après, vous avez quitté votre compagnon. 1 mois après, vous avez présenté le nouveau compagnon à vos parents. Oui. Et puis vous avez décidé de cohabiter, confronté au quotidien. Première épreuve, est-ce que la passion a suivi? Pendant 5 ans, oui. Pendant 5 ans, ça a été parfait. Vous êtes passé du grand amour au grand désamour? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment comment ça peut se passer. On a acheté un appartement, c'était bien. On a construit ça ensemble, on n'a pas fait d'enfant. On a acheté un chien et un appartement. Et c'est énorme. Et tout d'un coup, je ne sais pas, le quotidien, il y a des choses que j'ai plus supportées, qui me faisaient rire avant. Par exemple? Quand il trouvait que le repassage, c'était mon hobby. Voilà, par exemple, ça ne l'est plus devenu. Ah oui. Au début, c'était de l'humour, et puis après, ça devient... Je ne trouvais plus ça drôle du tout. D'accord. Et il n'a plus beaucoup participé aux choses, et puis on a évolué, je pense, différemment, dans nos vies professionnelles. Je me suis moins intéressée à la sienne, et peut-être que j'ai découvert une personnalité que je n'aimais pas. Mais qu'est-ce qui est devenu insupportable au quotidien? Je ne sais pas, le soir... C'est triste quand même, c'était le grand amour, quoi. Mais non, mais c'est normal que ça évolue comme ça, ah bon? Je pense. Ou c'est la lassitude, peut-être, aussi. Quand on n'évolue pas de la même façon, au bout d'un moment, on ne partage plus les mêmes choses. Mais la grande question, c'est est-ce qu'au fond, vous étiez vraiment fait l'un pour l'autre? On a été fait l'un pour l'autre pendant 5 ans, 6 ans. Et après, en fait, on était fait l'un pour l'autre pour cohabiter. On a réussi à cohabiter 3 ans. Et quand on s'est séparés, il était très malheureux de me quitter, parce qu'il m'a quittée. Enfin, il m'a quitté. On s'est mis d'accord tous les deux, mais lui, il avait déjà trouvé une remplaçante. Vous en pensez? Moi, je sais pas. Moi, je sais qu'avec Sandrine, c'est une certitude. C'est bien sûr qu'on rentre après 2 ans, on rentre dans une certaine routine.
Mais on essaye quand même, on essaye régulièrement de la casser, cette routine, malgré les enfants. Comment ? Ben, on essaye justement de continuer à faire des petites choses ensemble. On laisse les enfants à la mamie, on sort, on fait des choses. Ça s'entretient la flamme, c'est ça ? Oui. Vous avez essayé d'entretenir la flamme ? Bien sûr, ça s'entretient la flamme, je suis absolument d'accord. Et comment elle a pu s'éteindre alors ? Parce qu'on n'en avait plus envie tous les deux, je crois. Vous croyez encore au grand amour ? Bien sûr. Bien sûr. Vous pensez qu'on peut avoir plusieurs grands amours dans sa vie ? Oui. Oui. Et que ça dure pas forcément toute la vie, quoi. Parce que l'idée dans laquelle on a tous été élevés, quand même, c'est qu'on a, hein, c'est un grand amour pour la vie, quoi. C'est, si on est fait l'un pour l'autre, c'est pour la vie. Oui, mais on n'est pas forcément fait l'un pour l'autre. On épouse quelqu'un qu'on, ou on vit avec quelqu'un qu'on peut aimer, et on s'aime vraiment. Mais donc, on peut aimer plusieurs personnes vraiment et très fort. On sait qu'on est fait l'un pour plusieurs autres. Oui, mais pas en même temps, voilà. Mais pas en même temps. Et vous, Magali, vous pensez quoi ? Aujourd'hui, au regard de votre expérience sur le grand amour. Ben dans, enfin, au début de ma relation, enfin, au début, même au bout des 3 ans, c'était un peu l'histoire de Sandrine et Laurent. Avec le recul, je me dis que c'était que dans un sens. Moi, j'étais encore au bout de 3 ans aussi amoureuse et envie de faire plein de petites choses comme ça. Et aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous pensez de, quand vous entendez des histoires d'amoureux, etc., comment vous réagissez ? Je me dis qu'il y a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, finalement. Rien n'est acquis. Même quand on a l'impression que tout va bien, et nous, c'était quand même l'osmose au début. Enfin, même si moi, au bout de 3 ans, ça l'était toujours, il y avait... Et puis, vous êtes toujours mariée, donc vous nous direz dans un instant comment on passe d'un mariage à la mairie à une absence de mariage à l'église, comment on peut changer d'avis entre les deux. Et une absence physique aussi. Et une absence tout court. On ne va pas casser l'ambiance non plus. On va tenter d'y croire encore un petit peu et je demande d'accueillir Carmel et Antoine, s'il vous plaît. Carmel et Antoine. Ne lâchez pas. Attention. Tenez. Comment ça va, Carmel ? Ça va. Carmel, comme un Carmel, je vous en prie, allez-y. Allez-y. Hop là. Comme un Carmel ? Oui. Ça, je peux vous lâcher ? Voilà, merci bien. Bon, d'accord. Ici. Ça vous a fait des émotions de me serrer la main ? Non. Non. Non, je dis par rapport à monsieur, parce que vous êtes venu donner des leçons de grand amour. C'est une question cruciale pour nous. Comment savoir si on est fait l'un pour l'autre ? Et puis en filigrane, une autre question, comment faire durer ce qu'on croit être éternel ? Ça, c'est des questions que vous allez pouvoir, auxquelles vous allez pouvoir répondre. Je peux vous demander votre âge ? Oui, 81 ans, tous les deux. Tous les nous deux. Avons le même âge. Depuis quel âge vous êtes très amoureux l'un de l'autre ? Depuis l'âge de 12, 13 ans. Allez. Très jeune. Qu'est-ce que vous allez fêter l'année prochaine ? Les noces de diamant. Diamant, oui. Ça fait combien, ça ? 60 ans de mariage. Alors. Pas mal. Merci. Merci bien. Le couple de Nathalie n'a pas résisté à 5 années, malgré le grand amour. Est-ce qu'un couple qui s'aime fort comme ça aurait pu, vous pensez, avec un peu de ténacité, avec un peu de patience, avec un peu d'imagination, entretenir la flamme ? Voilà, beaucoup de patience, beaucoup d'imagination, vous avez raison. On peut, mais bon, maintenant, vous savez, on a affaire à des caractères différents. C'est l'ennemi de l'amour, ça. De quoi ? Le caractère. Ah bon ? C'est très important, le caractère. Et vous pensez que le grand amour peut durer quelques années ? Je pense et que passer un autre grand amour ? Je pense, je suis persuadé, ma femme. Tout dépend des personnes, le grand tout amour, dépend des c'est caractères. Pour la vie. Qu'est-ce qui vous permettait, Carmel, à 14 ans, d'affirmer qu'Antoine était l'homme qu'il vous fallait absolument pour la vie ? Non, je ne l'ai pas affirmé. Je l'ai aimé, enfin, je l'ai trouvé mignon. Mais au fil des années, au fil des années, à force de se fréquenter, eh bien, je me suis dit, c'est le bon. Ça, au fil des années, ça veut dire entre 12 et 14 ? Entre 12 et... Pas 12 ans, moins 12 ans, c'est mon mari, 12 ans. Maintenant, vous avez le même âge. Oui, non, mais lui, il était amoureux plutôt. Ah bon ? Oh oui, lui, il a commencé très tôt. Ah oui, à quel âge ? Oh oui. Oh, il m'a même dit une fois, depuis l'âge de 11 ans, moi, je t'aime. Hein. Mais je ne l'avais pas dit. Caractère, vous. Hein. Je ne l'avais pas dit. Mais il ne me l'avait pas dit, bien sûr. On était très timides tous les deux, il faut dire la vérité. Oui. Nous étions très timides. Alors, vous savez, pour se parler, discuter, c'est compliqué. Quand on est timide, c'est difficile. Je comprends. En fait, vous êtes mariés dès que vous en avez eu le droit. Sans même vous être embrassé auparavant ? Non. Jusqu'à l'âge de 19 ans. Le premier bisou, c'était à 19 ans. Ah oui, et vous êtes marié à quel âge ? À 21 ans, à peine passé. Ouais. Comment vous avez découvert la vie à deux ensuite ? Alors, je ne sais pas si c'est une question de caractère, mais ce qui parfois peut abîmer l'amour ? Le quotidien ? Le quotidien ? Abîmer, moi, je n'y ai jamais pensé. On était tellement amoureux qu'on se disait, mais c'est une belle vie. Moi, j'étais heureuse.
et mon mari aussi, on était tous les deux tellement heureux, on concevait pas se disputer, non. Pour nous, c'était impossible. Vous ne vous êtes jamais disputé? Non, jamais. Vous n'en avez jamais eu l'envie ou est-ce que c'est quand... Ah non, non, pas d'envie, pas d'occasion. Pas d'occasion. Nous sommes tous les deux un peu soupolés, il faut dire la vérité. Ah bon. Soupolé. Et de temps en temps, évidemment, c'est normal. Vous savez, c'est alors comment ne pas aller trop loin? Comment ne pas aller trop loin quand ça frotte un peu? Manquer de respect, vous voyez, aller trop loin, quoi. Non, non, on n'allait pas trop loin parce qu'on s'aimait trop. Ah oui, oui, oui. On ne pouvait pas supporter faire de la peine. Je ne pouvais absolument pas prendre le rouleau à pâtisserie puis taper dessus. Non. Jamais de la vie, ça ne me serait jamais venu à l'idée. Non. C'est impossible. Non, non, mais sans tomber dans la violence conjugale pour autant. Non, voilà. Non, 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 S'aimer profondément, ça c'est... Ah, ça, voilà. Oui. Faire confiance. S'aimer profondément. Faire confiance. Faire confiance surtout. Respecter les différences de l'autre. Alors, tout à fait. Alors là, respecter les différences. D'accord. Oui. Tout je à suis fait. Un prompteur vivant. Oui, parce que quand même, les caractères ne sont pas les mêmes. C'est qu'on revient au caractère. Qui fait le plus de concessions? Sérieusement. On fait des concessions tous les deux. Non, mais ça, d'accord. Tous d'accord, les deux. D'accord. Non, non, mais je monsieur de la rue, très sincèrement. Ah, bon, d'accord. Attendez, appelez-moi Jean-Luc. Carmel. Moi, j'en fais quand même pas mal, hein, disons. Carmel, ne me regardez pas comme tu ça, c'est trop blanc. Tu veux pas me dire que j'en fais pas, moi, maman. Oui, voyons. Il en fait, bon. Mais il est tellement... Il en fait moins? Il est tellement adorable. Ah bon? Oui, 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 il en fait beaucoup, même. Mais quand même, je pense que c'est moi qui en fais le plus. Et où s'arrête la concession et où commence le sacrifice? C'est-à-dire la chose qu'il ne faut pas faire. Voilà. C'est pas un sacrifice, moi, je l'aime tellement que... Cette concession, pour moi, elle vient de soi, quoi. Alors, la grande question, ça fait 60 ans que vous êtes ensemble maintenant. Oui. Est-ce qu'il vous arrive encore de douter, parfois, que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre? Ah non, 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 jamais. Non, jamais, jamais. C'est, nous sommes vraiment des ringards, voyez-vous. Des ringards, bah, oui. Ça vous va bien. Après tout. Oui. D'un autre temps. 81 ans, quand même, c'est pas la jeunesse, quand même. D'accord, mais enfin, on est tous dans la même époque, quand même, aujourd'hui. Oui. Ce serait dommage que des valeurs aussi universelles ne soient pas activées encore aujourd'hui. Vous trouvez que les choses ont changé? Ah oui, beaucoup. Évidemment. Aujourd'hui, on ne vit pas évidemment, comme ça. On a moins de patience. Qu'est-ce qui a changé? Comment? On a moins de patience. On est moins souple. Pourquoi parce les couples durent moins qu'avant? Parce qu'à présent, c'est une vie vraiment stressée. Le mari travaille, la femme travaille, tout ça, alors c'est pas... C'est pas facile. Quand on arrive à la maison, ben, ma foi, il faut faire... Donc il faut quoi? Il faut les dépêcher. Des petites étincelles, oui, évidemment, parce qu'on est énervé du boulot. Peut-être qu'on... On les comprend quand même. Oui. On les comprend, non, les mais c'est pas la même vie, il faut dire. Allez. C'est les plus stressantes aujourd'hui, cette vie. On les comprend, vous savez, on a 5 petits-enfants, nous, puis... D'abord, 3 enfants, 3 enfants, 5 petits-enfants. Bravo. Et 3 arrières. Bravo. 3 arrières. Oui. Adorable fils. Bon. Merci, Magali. Vous avez eu un coup de foudre, tous les deux? À un moment donné, oui, parce que moi, je l'aimais comme un... Moi, je n'ai pas eu de coup de foudre. Comme je sais pas un ce ami, que ça puis d'un seul coup, un jour, paf, le cœur a battu beaucoup. Bien, bien, bien fort. Vous, alors là, je me suis dit, c'est le coup de foudre. Et vous, comment ça s'est construit? Moi, c'est venu ça lentement. Je l'aimais de toutes mes forces, mais je n'ai pas eu ce fameux coup de foudre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, oui, 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 moi, je sais ce que c'est. Hein. Expliquez. Je ne sais pas ce que c'est. Expliquez, Carmel. Mais moi, j'explique. Oui, mon cœur battait tellement fort que j'ai dit, mais c'est ça, le coup de foudre. Et je l'ai adoré doublement. Et vous n'avez jamais été tenté par un autre homme? Oh non, jamais. Non. En revanche, elle n'est pas mignonne, ça. Ah non, 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 ah non, 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 jamais de la vie. Jamais, jamais, même pas y penser. Non, pas non. Du tout. Et je vais vous raconter une toute petite histoire, vite fait. D'accord. Pour ne pas monopoliser la parole. Non, mais c'est un plaisir de vous recevoir. Allez-y. Qu'est-ce que je voulais dire, maman? Maman. Non, vous voulez nous raconter une histoire, une petite histoire? Mais justement, je voulais la raconter, j'ai perdu le fil. Oh, bah, oh c'est dommage. Mais il vous demandait ce qu'il allait... Je sais pas ce qu'il voulait dire. Si, aide-moi. De quoi? Oh, c'est dommage. Ah, sacré je t'aurais aidé, hein, je l'aurais aidé. Si ça revient, d'accord. Vous me sonnez, d'accord. D'accord. C'était un coup de foudre, vous? Pas vraiment un coup de foudre, mais une très forte attirance dans les premiers instants. Attirance physique et puis compatibilité de caractère. Vous êtes rencontrés comment? Au travail. Donc, beaucoup de complicité, plein de fou rire avant vraiment de... Mais d'abord une attirance chimique, ouais, enfin, ouais, quelque physique, chose de physique, physique ouais. Ouais. Vous aviez envie de lui quand voilà, il vous attirait. Ouais. Voilà, j'étais bien avec lui, ça ne s'expliquait pas. Et... Puis vous avez parlé d'un grand flash aussi à un moment. À un moment où vous vous êtes dit c'est lui, quoi. Oui.
C'était dans quelles circonstances, la photocopieuse? C'est lui parce que c'était pas un autre, pas envie de regarder un autre. Et puis, le fait de sentir comme une adolescente, hein, en sa présence. Et puis, tout au départ, c'était des SMS sans arrêt, 10 SMS par jour, des lettres alors qu'on se voyait tous les jours. Puis vous avez décidé de vous marier? Oui. Quand on se dit « il est fait pour moi », c'est sûr. « Je suis fait pour lui », c'est sûr. On se projette dans l'avenir. Est-ce que c'est quelque chose de rationnel ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement instinctif que vous avez décidé comme ça sur un coup de tête? Non, on se projetait dans l'avenir. On se projetait dans l'avenir, on envisageait d'acheter une maison. Moi, j'ai un petit garçon, donc on envisageait de lui donner un petit frère. Donc c'était quelque chose qui était construit. Vous aviez été mariée? Non. Non. Vous rêviez de vous marier? Oui. Plus que lui? Je crois que comme toutes les femmes. Et lui? Lui aussi, c'est lui qui me l'a demandé. Donc moi, je concevais plus un petit mariage en comité restreint avec les parents, les témoins, dans la mesure où j'avais déjà un petit garçon, donc c'était plus pour régulariser la situation et puis pour se lancer. Et lui m'a dit non, moi je vois la grande fête avec les copains, les parents, plein de monde. On va reparler de tout ça. Je vais demander la parole deux secondes à Lucie Vincent qui va nous éclairer notamment sur ce grand flash, ce coup de foudre, on l'appelle comme on veut. Où est-ce que vous êtes? Je suis là. Vous êtes là, Lucie, vous m'entendez? Vous êtes oui. Neurobiologiste, attention, voilà. C'est important. Qu'est-ce qui se passe en nous chimiquement quand se déclenche ce grand flash, ce coup de foudre qu'a ressenti Carmel? Mais d'abord, il faut savoir que le coup de foudre, l'amour quand on tombe amoureux, ce n'est pas une histoire de cœur en réalité, c'est une histoire de cerveau. C'est deux cerveaux qui se rencontrent et Laurent l'a vraiment très très bien décrit et on imagine dans la planque comment ça a dû se passer. Vous auriez pu reconstituer la planque aussi. C'est vrai, en fait, on aurait pu. Pour notre amusement, mais bon. Oui. Et donc, on voit l'autre et on a tous ces paramètres qui arrivent, les critères, comme on nous a dit Dominique Lapierre tout à l'heure. Et il y a des critères très biologiques, très basiques, comme l'odeur, les phéromones qui arrivent de l'autre personne, la forme du visage, la forme du corps. Les odeurs, par exemple, comment ça fonctionne? On cherche plutôt des odeurs qui sont proches de nous? Ah non, on cherche des odeurs différentes de nous, mais... Le coup de foudre, tous ces paramètres qui arrivent dans le cerveau. Et ce qui se passe dans le cerveau, c'est qu'il y a une montée d'une substance qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est la motivation, c'est l'envie. Donc cette montée nous pousse vers l'autre. Et on regarde dans les yeux de l'autre et on voit que son cerveau en face a fait le même travail. C'est un travail inconscient, c'est le cerveau inconscient qui marche ici et il rend son verdict. Et on lit dans les yeux de l'autre, ah oui, effectivement, je reconnais que vous avez reconnu comme moi, etc. Et c'est ça qui donne cette impression d'avoir déjà connu l'autre dans une autre vie. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau inconscient? Il y a une reconnaissance, donc montée de dopamine, oui. Donc envie d'être près de l'autre. Mais dites-moi, le cerveau qui nous fait fonctionner, enfin qui fait fonctionner tous nos sens, c'est-à-dire vous parliez des odeurs, vous parliez de la forme du visage. Oui. Qu'est-ce que notre cerveau cherche chez l'autre? Quelque chose de différent de nous? Alors, notre cerveau cherche le partenaire idéal. Pour la reproduction, bien sûr. Parce que l'amour, c'est une affaire de survie de l'espèce. D'accord. L'amour, c'est un comportement qui est programmé dans nos cerveaux par l'évolution, pour une très bonne raison, c'est parce que si l'amour n'existait pas, l'espèce humaine n'aurait pas survécu. Et ça, c'est parce que le bébé humain est très, très vulnérable. Alors, toutes les espèces où le bébé est très vulnérable sont monogames, simplement parce qu'on a besoin de deux parents pour élever ce petit, pour qu'il devienne un peu autonome. Et c'est pour ça qu'on cherche quelqu'un de très différent? C'est parce qu'il faut des gènes différents pour faire un enfant solide? Alors, on s'est concentré justement là-dessus pour les odeurs en recherche, parce que vous savez, un bébé qui va survivre dans la nature sauvage où on a été formé, ce bébé-là a besoin d'être résistant à toutes les maladies de la Terre. Alors, le système immunitaire est essentiel. Quand on cherche un partenaire, on va chercher quelqu'un avec un système immunitaire qui est très différent du nôtre. Comme ça, le bébé qu'on va produire ensemble saura se battre contre beaucoup plus de maladies. Ça veut dire que quand on pense que quelqu'un sent mauvais, ça veut dire qu'en fait il sent comme nous? Non, un peu de choses près. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, c'est pas super romantique, hein, Magali. Hein. On en reparle tout à l'heure. C'est pas super romantique, mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que cette histoire d'odeur, c'est particulier, c'est important. Il sentait bon? Oui, pour vous? Très oui. Bon. La forme de visage, vous ouais, convenez aussi? La forme de visage, ouais. Tout. C'est donc, un ensemble. Au bout de 4 mois de relation, Magali, vous êtes installée avec Nicolas. Au bout de 2 ans, il vous demande en mariage. Oui. Donc la cérémonie à la mairie a eu lieu au mois de mai dernier. Voilà. Comment ça s'est passé? Ça s'est pas très bien passé dans la mesure où j'étais stressée parce qu'il m'avait déjà fait part de ses angoisses auparavant.
Donc c'était très en dents de scie. Hein. Le soir, c'était bon, je suis stressée, mais ça va aller, on va aller jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Et le lendemain matin, elle se réveillait en me disant, quand je pense au mariage, j'ai la nausée. Donc après, il fallait passer la journée avec ça sur le cœur. Et... C'est dur, hein? Oui. Donc quand on est arrivé à la mairie et qu'il a dit oui, j'ai un gros soulagement. Donc j'ai pressé très fort sa main au moment de répondre, parce que je m'attendais franchement à ce qu'il dise non. Vous avez pressé sa main, oui. Presque pour le forcer à dire oui? Pas pour le forcer, mais lui dire je suis là, on a quand même 3 ans derrière nous, repense à ce qui s'est passé, laisse parler ton cœur. Donc quand Louis est sorti, je me suis dit ça y est, il a réussi à vaincre son stress. Mais la comment journée... il est sorti son oui? Franc. Et massif? Oui. D'accord. Ouais. Mais par contre, la journée du mariage, ça a été une horreur. Ah bon? Ben, distant, pas de bisous, c'était on se marie chacun de son côté. Et la cérémonie religieuse était prévue pour combien de temps? 3 semaines après. Que s'est-il passé entre les deux? Ben, les doutes ont persisté. Bon, moi, j'ai pensé, le mariage civil est passé, c'est tout. Là, c'est la fête qui se prépare, hein. Il n'y a plus vraiment de grosses angoisses. Donc, ça a recommencé en dents de scie. Et puis, ben, mes parents sont venus à la maison pour savoir ce qu'il en était, parce que je leur en avais fait part. Et il leur a dit, ça va aller, ça va plus aller. Enfin, ça a duré pendant 1 heure. Et puis, au bout d'un moment, il me dit non, c'est tout, on arrête. On ne se marie plus. Il était toujours l'homme de votre vie pour vous, à ce moment-là? Oui. Donc je lui ai fait répéter, il m'a dit à nouveau non, on ne se marie plus. Et il est parti. Combien de temps avant la cérémonie à l'église? 10 jours. Donc vous lui avez demandé, est-ce que tu m'aimes? Et il vous a dit... Il ne voulait plus se marier, les sentiments étaient un peu altérés, donc de son côté. Et... Il était marié? Il était perdu, oui, oui, il était marié. Ben, vous êtes marié, quoi. Oui. D'ailleurs, je porte l'alliance, qui est dégravée. Certes, mais... Qui est dégravé? Oui. Vous avez retiré la... J'ai porté chez le bijoutier qui a dégravé l'alliance. Mais quel intérêt de dégraver l'alliance pour la porter quand même? Parce que c'était un bijou que j'avais choisi et je l'avais choisi dans un état d'esprit d'amour. Donc, je veux dire que c'est peut-être par rapport aux 3 ans qu'on a passé ensemble. Mais dans ce cas, j'imagine qu'une femme se dit dans son cœur ou dans son cerveau inconscient, en tout cas, que peut-être que c'est un coup de tête. Enfin, on connaît les mecs. Bien sûr. Voilà, peut-être qu'on peut le raisonner. Est-ce que vous avez essayé de le retenir? Il est parti le matin, le midi, j'ai mis la table avec son assiette en pensant qu'il allait revenir, tout au moins avoir une explication. Et même s'il voulait annuler, qu'on prenne les choses en main tous les deux et qu'on organise l'annulation ensemble, mais non, il est parti. Il n'est pas revenu. Comment vous avez annulé le mariage à l'église? Mais lui est allé voir le prêtre, le traiteur, et puis moi j'ai prévenu avec mes parents, les invités, donc les 120 personnes qui étaient invitées. Et c'était il y a quelques mois seulement, hein? Oui. Vous êtes encore un peu à vif? Oui. Vous êtes amoureuse? Je suis résignée. Bon, mettons qu'il ait fait un bon choix télévisuel ce soir, qu'il soit devant notre émission, et qu'il vous regarde et qu'il vous rappelle demain, qu'est-ce que vous ferez? Je pense que s'il est parvenu là depuis 5 mois, bon, c'est terminé, il ne reviendra plus. Et ben, je l'ai encore eu au téléphone hier, c'est toujours le même discours. Ah, vous parlez? Oui. On se parle, mais il n'y a pas d'évolution de son côté. Donc... C'est ni oui ni non, quoi. Voilà. C'est ni avec toi, voilà, ni sans toi. Voilà, je ne veux pas entamer les procédures de divorce parce que je ne veux pas tirer un trait sur toi. Ah, mais bon. Je ne suis pas prêt à revenir. Donc il faut que j'arrive, moi, à me positionner par rapport à ça. Dans votre approche chimique de l'amour, quel regard vous portez sur cette histoire? Mais je trouve que c'est une histoire vraiment très atypique et je me demande s'il n'y aurait pas, bon, on parle comme ça devant un monde fou, mais est-ce qu'il n'aurait pas un intérêt financier? Ça ressemble à un mariage blanc à la limite. Qu'est-ce qui pousse cette espèce d'attente? C'est grave. Vous pensez qu'il ne l'a jamais aimé, ça que vous voulez dire? Peut-être qu'il a eu une attirance éphémère et que... Est-ce que l'alchimie peut ne pas être réciproque? Est-ce qu'on peut être attiré par quelqu'un qui n'est pas attiré par soi? Ou est-ce que non, la nature est bien faite? Je n'appelle pas ça l'amour. Je fais une différence entre le désir sexuel, d'accord, qui est un mécanisme, et l'amour, qui est un comportement entier qu'on peut étudier tout seul dans son coin. Et là, c'est toujours réciproque. Sinon, ce n'est pas l'amour. Et l'amour, est-ce que ça peut être rationnel? Par exemple, vous disiez à l'instant peut-être qu'il cherchait un mariage parce que c'était un certain confort. Non, ça, c'est une mise en scène. Non, ce n'est pas de l'amour, ça. Non. Aujourd'hui, Magali, vous en êtes à généraliser ce qui vous est arrivé, à savoir que finalement, peut-être que les hommes et les femmes, vous dites-vous, ne sont pas faits pour vivre ensemble? Non. Non, parce que je pense qu'il y a toujours peut-être un peu moins de... pas d'honnêteté des hommes, mais un peu...
plus de difficultés à montrer leurs sentiments. Moi, au bout de 3 ans, j'étais encore capable de lui dire tous les soirs, en se couchant, je t'aime. Et lui me répondait, je sais. Tu n'as pas montré ses sentiments, mais en tout cas, mieux mais discerner. Mais je n'en demandais pas plus non plus. Hein. Je ne demandais pas à ce qu'il soit démonstratif. Je l'avais aimé comme ça. Vous pensez que vous avez cherché peut-être à ne pas voir quelque chose qui était évident, peut-être ? Peut-être. Vous pensez ça aujourd'hui ? Oui. Ouais. Quel regard vous portez sur cette histoire ? J'étais un peu comme Magali avant. Et j'en étais aussi arrivée au stade de dire les hommes sont tous des... Enfin, moi, je me perds... Enfin, je pense que c'est un peu lâche de dire oui à la commune parce que tout à coup, on est devant le fait que c'est trop tard. Et puis pour finir, non, en fin de compte, et puis j'ai pas envie de divorcer. C'est un peu lâche. Et je sentais ça aussi. J'avais l'impression que tous les hommes étaient des lâches. Et pour finir, j'ai rencontré la preuve vivante que non. Ouais, d'accord. Donc, ça tombe dessus quand on s'y attend pas. Donc, il faut continuer. Même si c'est facile à dire, il faut continuer d'y croire et d'espérer. Quoi. Quel regard vous portez sur cette histoire, vous qui cherchez l'âme frère ? C'est triste. Ça... Enfin, avec tout ce qu'on entend, c'est vrai, les divorces, tout juste comme ça, on se dit, est-ce que ça existe toujours comme ça peut exister pour vous Ça existe, demande... hein. Oui, ça existe, mais on se demande si c'est un cas particulier, vu la généralité qu'on voit. Vous pensez parfois que vous étiez faite peut-être pour... que vous étiez faite pour lui, enfin, qu'il vous plaisait, mais que c'était pas inversement. Voilà, lui était fait pour moi, mais moi, je n'étais pas faite pour lui. Vous pensez ça ? Mais je crois que je me complaisais dans ce sentiment. Vous en pensez quoi, Marie-Claire et Olivier ? Ben, c'est vrai que c'est une histoire triste, malheureusement, qui peut arriver. Comme vous disiez, Jean-Luc, peut-être c'est sans doute mieux qu'ils aient coupé avant que des années après. Bon, moi, j'ai été mariée 4 fois. La première fois, à l'âge de 17 ans, j'ai cru que c'était pour la vie. La deuxième fois aussi. La troisième fois aussi. Et la quatrième fois aussi. Et vous ne posez pas les questions parfois. Et la cinquième fois, on attend. Ah, vous avez fait une alliance ? Olivier va faire une alliance il y a 3 ans. Sans vous être mariée pour autant ? Pas encore. Vu le passé de madame, on pourrait se demander si, non, si, mais... si ça ne sonnerait pas le glas de votre histoire. Quel regard vous portez sur ces 4 mariages et ces 4 divorces, vous ? Ben, vous savez, moi, même si elle était mariée 50 fois, ça n'aurait rien changé de toute façon. Bon, les 4, vous avez cru que c'était pour la vie. Lui, vous pensez que c'est pour la vie aussi ? Eh bien, écoutez, oui, parce que même s'il y a des disputes, même s'il part en vrille, comme il a l'habitude, ben, dès qu'on est séparés, il y en a... Bon, ben, on s'envoie des textos si on est... On va y venir avec le reportage tout de suite. Il y a eu coup de foudre entre vous ? Non. Non, pas du tout. Ah non, non, ben, on s'est rencontrés. Pas du tout. Non, pas du tout. J'allais au cinéma avec une amie, une petite... Et puis, il y avait un temps d'attente de 3 quarts d'heure. Donc, j'ai dit à Julie, cette amie, je dis, on va aller au pub à côté, boire, prendre un verre en attendant. Et puis, il se trouvait là avec un ami. Puis moi, bon, comme je ne suis quand même pas farouche, je suis allée à la table où était Olivier, dans son petit coin, comme ça, un peu tassé. Et regardez comment ça se passe depuis avec ce reportage. On en parlera encore mieux après. Et donc, Marie-Claire et Olivier, vous êtes en couple depuis 4 ans maintenant. Oui. Ce n'est pas une vie conjugale de tout repos, hein, vous allez vous en apercevoir. Mais c'est précisément, sans doute, ce que vous dites, être le secret de la longévité de votre couple. 4 ans, c'est parfois un peu bruyant, étonnant. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas le calme. Oui, détonnant, mais c'est votre façon à vous de vous aimer. Ça chauffe, mais ça marche. C'est un reportage à Rouen, d'Emma Cala et Clémentine Libaud. Bon, alors maintenant, tu me donnes un coup de main. Dis donc, je ne suis pas un chien, tu me parles sur un autre ton. T'as pas de main gauche, quand même. Va t'occuper. C'est ça, va dans ton coin. Tu veux pas que j'aille à la niche non plus, non ? Voilà. Bon, allez, ça y est, pars. Faut toujours qu'elle vienne, elle a toujours un autre truc à dire. Et il y a des moments, je me demande si elle le fait pas exprès, mais quand je fais du bruit, par exemple l'eau qui coule, alors quand je prends une douche, il faut qu'elle me parle. Je sais pas ce qu'elle a, mais il faut qu'elle me parle, alors évidemment j'entends pas. Donc je lui demande de répéter, elle me fait t'es sourd. Alors c'est embêtant quoi. Y a pas que moi qui te dis que t'es sourd. Quand il y a du bruit, t'as vu, je suis en train de faire couler de l'eau, tu viens de me parler. Tu me feras un petit thé, mon amour, pour finir la vaisselle ? Ouais. Ouais, quand j'aurai fini la vaisselle. Ouais, d'ici là, t'auras oublié. Quand j'aurai fini la vaisselle. Oui. D'accord. Chef. J'adore avoir le dernier mot. Comme elle aussi, elle adore avoir le dernier mot aussi. Non. T'as dit que j'étais plus belle quand j'étais en colère. Alors c'est toi qui me pousses à être en colère, je te signale. T'as dit que j'étais plus belle quand j'étais en colère. Ah, j'en sais pas du tout. Mais hein. Quand t'es pas en colère, t'es belle quand même. Oui, bah alors justement. Je me demande bien pourquoi tu cherches absolument la petite bête à chaque fois à me mettre en colère, qu'après je suis complètement
À plat, quoi. Ouais, bah oui, t'es pas normand pour rien. Marie-Claire et Olivier, un couple atypique, mais un couple qui dure depuis 4 ans. Ils ne cessent de se disputer à tout propos, et d'ailleurs, Claire, leur voisine de palier, en profite régulièrement. Bonjour Minette, tu vas bien? Bonjour. Voilà. Mais dis, c'était où lui hier soir chez toi? Oh que oui. Il y a eu des différends avec Olivier? Bah comme d'habitude. Est-ce qu'ils sont faits pour vivre l'un pour l'autre? Personnellement, je dirais non. L'un sans l'autre, on s'enquiquine. L'un sans l'autre, on s'enquiquine. Puis on s'enquiquine pas parce qu'on est seul. On s'enquiquine parce qu'on est l'un sans l'autre. T'as espoir de le changer? Oh, je crois qu'on ne change pas un homme. On peut modérer les choses. Bon, j'ai acquis une certaine philosophie. Donc il y a des moments où ça va vraiment très bien, quoi. Je me demande si ça va durer longtemps, parce que c'est usant, ce genre de discussion. Comme je dis souvent, bah, vivre avec Olivier, c'est comme marcher sur un champ de mine, tu sais pas où tu vas poser le pied, quoi. C'est ça avec lui. Un jour, je crains d'être obligée d'appeler les pompiers. Oui. Faire du shopping est souvent une source de conflit pour un couple, mais pour ce couple-là, cela prend très vite des proportions dramatiques. Marie-Claire ne sait pas s'arrêter, elle pousse constamment Olivier à bout, et il suffit d'un rien pour qu'il sorte de ses gonds. Tu fais chier! Oui, je sais. Mais tu viens quand même. Viens par là. Regarde par exemple ça. Regarde. Non, j'aime ça pas. Ça te changerait quand même de ce que t'as, mon j'aime sang. Pas. Mais tu dis t'aimes pas, t'as même pas essayé sur je toi. Je sais tout de suite que j'aime pas. Regarde, t'as toujours ce pantalon-là. Même si t'as les trois mêmes. Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir le même mec qui change jamais rien. En fait, ça fait clochard. Ouais, d'accord. Ça fait clochard. Non, tu viens ici. Je te dis, ça fait clochard. Non, mais franchement... Non, mais ça fait clochard. Mais arrête Ça fait clochard, à force. Ça non. Fait clochard, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Donc ça veut dire que pendant 4 ans, t'as vécu avec un clochard. J'ai pas dit ça, Olivier. Si, c'est ce que ça veut dire. Je suis un clochard. Tu te fais chier avec moi? Mais oh, genre... tu fais chier. Merde. T'es con. On fait la paix. À Gaza, il y en a partout. Hein. Arrête. C'est toujours pareil. Tu vas pas me faire chialer encore. J'ai pas envie que tu chiales. Mais alors, on fait la paix. Mais c'est toi, tu comprends pas. J'ai dit, j'aime pas ça. Alors, jamais dans ma vie, je pourrais une fois te faire un cadeau. Mais non, mais tu vas pas pleurer. Ne pleure pas. Mais non. Mais non. Tu vas pas pleurer. Non, mais ça va maintenant. Tu vas pas chialer non plus. C'est fini. Ça vous fait douter, ça, ou pas? C'est pas possible de douter. Pourquoi? Parce qu'elle insiste. Donc si elle insiste, ça veut dire vraiment qu'elle veut qu'on reste ensemble. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Même si ça m'énerve, oui. Même si ça m'énerve, c'est... Il n'y a pas de... Un couple qui s'engueule jamais, c'est un couple qui s'emmerde. Mais et, puis du fait qu'on s'engueule, bah, ça prouve qu'on se tient à l'autre. Parce mais que non. À chaque fois, on veut toujours mais avoir le... Mais faut pas qu'on se rende malade non plus. Mais non, mais on se rend pas malade. C'est des passades, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'on se sépare. Tu m'aimes? Hélas, oui. Oh. Oui, hélas, oui. Le couple rend visite à la mère et aux sœurs d'Olivier, l'occasion pour eux de savoir comment ils sont perçus par la famille. Depuis que t'as rencontré Marie-Claire, c'est vrai qu'après, j'ai plus parlé avec toi qu'au début, quoi. Avant, on se parlait pas beaucoup, on avait pas beaucoup de relations entre frères et sœurs, quoi. Ah, d'accord. Bah, c'est vrai. C'est vrai qu'on se parle pas. Voilà. Dès l'instant où t'as rencontré Marie-Claire, bah, j'ai pu te parler plus facilement, j'ai pu te raconter des trucs que je t'avais jamais raconté auparavant, quoi. Mais bon, c'est vrai que moi, personnellement, un couple comme vous, non, je voudrais pas le vivre, quoi. Bon, bah écoutez, si ça va pas, prenez du recul. Ouais. Prenez du recul, séparez-vous, puis un jour ou l'autre, bon, bah vous apercevrez que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Ou le contraire, je sais pas du tout, moi. C'est difficile, hein. Est-ce que tu crois qu'on est fait l'un pour l'autre? Honnêtement? Oui ou non? Oui. Oui. Et oui. Toi, maman? Moi, oui. Et toi, Virginie? Oui. Ok, des oui, bon, d'accord. Voilà. Ça va, maman? Hein? Oui, ça va. On est super bien au soleil, regarde. Bon, je l'ai en plein dans les yeux, mais... Voilà. C'est un moment... Un moment de repos, un moment où on respire, un moment de calme. Une accalmie dans notre vie un peu mouvementée, parfois.
Et puis comme il lit jamais, ben, c'est moi qui fais la lecture. Et puis ben, il m'écoute en se reposant ou en pensant à autre chose. Et puis quand elle lit, en même temps, ça me repose. Ça m'évite que je m'énerve, parce que sinon, il faut presque rien pour que je m'énerve. Ça permet d'avoir un moment de trêve. Un petit bisou. Ah tiens, on peut aller là, c'est sympa. Hein? Mais la trêve est de courte durée. Même en prenant un verre dans un café, Marie-Claire et Olivier trouvent toujours un moyen de se disputer. Non mais t'as... Bon, d'accord, j'ai compris. Oh, mais merde. Tu mais merde. Mais attends, souffles. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Oui. Bah, tu me qu'est-ce que tu fais? Tu me souffles. Si je t'ai dit que j'aimais pas prendre des photos. C'est tout, c'est je te saoule. Oui, tu me saoules. Tu bois même pas ton café? Non. Tu reviens, STP. Bah en fait, elle m'a dit, reviens, fais pas ta tête de cochon. Alors, moi j'ai fait comprendre qu'elle m'énerve avec ses textos, tout simplement. Et là, elle m'en a envoyé un, et elle marque, des fois t'es nul à chier, tu le sais. Je suis peut-être nul à chier, mais en fait, elle comprend pas, quoi. Elle comprend pas pourquoi je... Putain, je viens d'en recevoir encore un autre. J'espère que tu peux payer. Je prends un Irish Coffee pour me calmer. Il me répond pas. Je lui demande d'en venir, il répond pas. C'est vraiment chiant, quoi. Mais elle sait pas s'arrêter, quoi. Oui, je viens, mais reste calme et range ton portable. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien être obligée de le ranger si je veux pas passer la nuit ici. Je vais m'écraser. Tiens, j'ai un autre message. T'as besoin d'argent pour ranger ton portable. Te voilà. Voilà, il est posé, ça te va? Il n'est pas rangé. Rangé comment? Bah dans ta veste. J'ai pas de poche à ma veste, je te signale. Bah c'est pour ça, moi j'ai mis des poches. Il est dans ma housse. T'as pas de raison de partir en vrille pour un truc comme ça. Non mais c'est pénible. Non mais alors tout est pénible alors. Non. Des fois je me demande pourquoi t'es avec moi. L'amour ça se prouve par des attentions. Pour moi même quand je te prends en photo c'est une attention. Mais toi tu le prends comme une agression. Pourquoi? Non, c'est agressif quand ça dure trop longtemps. Quand je vois son air malheureux comme ça, ben j'ai envie de le prendre dans mes bras et puis dire t'es comme petit con et puis voilà, j'ai envie qu'on se réconcilie. Tu décides, petit con. D'accord, petite conne. On oublie alors. C'est du passé. On oublie, mais tu m'as fait mal quand même. On a presque l'impression qu'on a forcé le trait, quoi, qu'on vous a forcé à vous engueuler. Pourtant, c'est pas le cas. Hein. Non, c'est pas le cas, parce que ça peut être pire. J'ai déjà eu envie de le tuer, enfin, du moins virtuellement. Je ne l'ai pas fait. Enfin, si, une fois, je l'ai envoyé contre un mur, quand même, parce qu'il m'avait vraiment poussé à bout, alors que jamais je n'ai levé la main sur qui que ce soit depuis que je suis née. Petit con, petite conne, ça veut dire mon petit chéri, mon petit canard, dans votre langage? En fait, quelque chose. À la maison, on s'appelle Mamour, mon chéri, ma chérie. Et puis quand ça part en vrille, c'est t'es con, t'es conne. Vous engueulez souvent? Jamais. Attention. Qu'est-ce que vous pensez de deux invités, de leur relation? C'est 4 ans que ça dure. Hein. C'est tout à fait différent, bien sûr, de la nôtre. Oui. C'est l'opposé, complètement. Non, vous êtes là en tant qu'expert. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites franchement. Non, moi je trouve qu'il y a des moments où ça a dû être triste quand même. Hein. Non. C'est vrai, parce que j'ai déjà souffert auparavant, donc c'est vrai que quelquefois j'encaisse mal. Oui, ça doit être triste quand même. J'encaisse mal quelquefois, mais je suis devenue... Qu'est-ce que je peux dire, moi, parce que c'est pas possible. Je suis devenue philosophe. 4 fois. Il y a parfois des prises de... Entre vous deux, il y a parfois des prises de bec. Ça arrive, bien sûr. Ça arrive, oui. Bien sûr. Ah, vous nous l'avez dit. Ça, on les oublie. On les oublie sans ça, c'est infernal. Mais c'est pour des vraies raisons ou c'est juste pour le plaisir? Non, c'est pour le plaisir. Pour le plaisir? Non, pas du tout. Il y a des fois, c'est des raisons quand même. Quelles raisons, par exemple? Quand on n'est pas d'accord sur quelque chose. Par exemple? C'est trop difficile, il y en a tellement. Ah oui. Il y en a tellement dans la vie. Non,
Ah oui, dans 60 ans, oui. Hein, mais en 60 ans, on l'oublie. Hein. Il vous cherche parfois un peu. Hein. Oh oui. Oui. Ah oui, ça, il est taquin. Hein. Il est taquin. Il est taquin. Dès le départ, ça a chauffé comme ça entre vous? Au bout de combien de temps? Au bout de très peu de temps. Ce que nous dit Marie-Claire, Olivier, c'est que vous avez besoin de ces altercations, de ces bagarres pour pouvoir entretenir le couple. Oui. C'est vrai? Tout à fait. Pourquoi? Expliquez-nous comment ça marche. Pourquoi pas, hein, d'ailleurs? En fait, moi, je pense qu'il faut vraiment parfois chercher vraiment la dispute pour voir vraiment le caractère de la personne, pour voir vraiment jusqu'à où elle peut aller. Enfin, pas à l'extrême non plus. C'est très pervers, ça. Mais encore aujourd'hui, parce que vous devriez commencer à vous connaître au bout de 4 ans. Pas assez. On se connaît jamais. Non, on se connaîtra jamais assez. Donc vous continuerez à provoquer des disputes pour voir comment l'autre réagit? Comme des expériences, quoi. Provoquer, c'est vite dit. C'est surtout elle qui provoque. Hein. C'est pas moi. Je provoque comment? Par mes petites attentions, par exemple, quand je te prends en photo, c'est pas que tu prends ça pour une agression. Oui. Alors, on prend en photo l'homme que l'on aime, on va pas prendre le voisin. Hein? C'est vrai, ça c'est pas de la provocation. Prendre en photo, c'est pas une provocation. Non, mais lui, ça l'énerve. C'est sûr, prendre en photo, c'est pas une provocation, mais quand on en prend 20 à la suite, à la fin, c'est lourd, quoi. Non, j'en prends pas 20. Mais par contre, il faut que je dise un nombre. S'il dit 2, il ne faut pas que j'en fasse 3 ou 4. D'accord, si vous en faites 3, vous le provoquez. Là, pour lui, c'est une provocation totale. Et vous pensez que vous l'aimeriez autant s'il n'était pas aussi soupoulet? Peut-être pas, parce que j'ai déjà eu un mariage où c'était vraiment calme. Oui. Et puis ça n'a pas empêché qu'il se termine. Puis se chamailler, c'est la promesse de se réconcilier aussi, non? Oui, aussi, ah, des fois... Ne dites pas oui, vous savez pas, vous êtes jamais engueulé, vous. Sûrement. Non, mais par contre, c'est vrai que ça me fait quand même très très mal par rapport à mon vécu antérieur, quand même. Oui, bien sûr que ça me fait mal. Mais... La grande question, c'est de savoir si vous n'êtes pas en train de vous cacher la vérité. Est-ce que ce n'est pas la méthode Coué? Est-ce que finalement, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre? Je crois que de toute façon, Jean-Luc, moi je pense que... Je n'ai jamais pensé qu'on pouvait se séparer parce que... Vous êtes déjà séparés tous les deux? Oui, une dizaine de fois. Séparés? C'est-à-dire rentrer chez votre mère? Une dizaine de fois, oui. Combien de temps? De son plein gré ou alors... Combien de temps? La plus grande période, c'était 2 mois. Et la plus courte, c'était 2 heures. Vous parfois envisagez de vous séparer pour de vrai? Moi, oui. Personnellement, oui. Trop de souffrance? Parce que trop de souffrance. Et vous, Olivier? Carmel, vous parlez dans mon dos, non? Non. Je dis que pour moi, ça aurait été une éternité. Ah oui. 2 heures? 2 mois. Deux mois. J'ai envie de leur demander si c'est pour eux, c'est un mode de communication, c'est finalement. Ça, ouais. Je pense, oui, Marie, parce que en fait, comme ils ne communiquent pas autrement, ou par texto, même dans la même pièce, je pense que pour lui, c'est un mode de communication. Il n'y a pas de moment, calme, vous posez, vous... Ah, si, oui, quand même, hein. On joue au Scrabble, par exemple, c'est vraiment un moment d'intimité. Pourtant, c'est vraiment un truc pour s'engueuler, le Scrabble, ça. Hein. Non, mais quand on sort des mots, genre, un peu compliqués, limite... De toute façon, même ma mère qui fait des compétitions, il l'a battue, alors ma mère n'était pas très... Mais s'engueuler comme mode de communication, c'est une vraie question que se posent beaucoup de couples. Se séparer pour mieux se retrouver aussi, provoquer des petites bagarres pour mieux se réconcilier sur l'oreiller de préférence. On va en parler avec Sandra et Guillaume. Où est-ce que vous êtes tous les deux? Bonjour à tous les deux, vous êtes mignons. Vous êtes plusieurs fois séparés, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans et demi aujourd'hui. Et combien de fois vous êtes séparés depuis? 3-4 fois. Quatre vraies fois. 4 vraies fois? Ouais. En 2 ans et demi? En 2 ans et demi, oui. Combien de temps à chaque séparation? Ça dépend. La première fois, on est restés ensemble 9 mois. Et puis, pendant 6 mois, on a eu donc 4 ruptures. Et puis là, ça fait 9 mois qu'on est revenus ensemble. Vous engueuliez beaucoup aussi? Comment? Vous vous engueuliez? Vous vous fâchiez beaucoup? Non. Non? Non, c'est-à-dire que quand on s'est connus, c'était une grande histoire d'amour. C'est-à-dire qu'on s'est connus grâce à l'odeur. C'est vrai? J'y pense, parce qu'elle venait de faire une teinture, donc ça sentait l'ammoniaque de partout. Alors ça, l'odeur, ça, il n'y a pas de problème, ça, je confirme. Ouais. Et puis, c'est vrai que ça a été une défaite. Je venais de louper un examen. Et donc, je voulais sortir, je voulais m'amuser, en profiter, comme tous les jeunes. Et puis, on est sortis entre amis. Je la connaissais sans la connaître. Et puis... Vous vous êtes dit qu'elle était faite pour vous? Pas tout de suite. Puisque, le contact passait bien. On est partis faire un bowling ensemble. Ouais. Et puis, après, on est partis faire une boîte de nuit. Le contact passait très bien, physiquement aussi.
Et puis, bah, on est parti en boîte et là, strike. Au bowling ou en boîte, le strike, alors? Non, ça a été le strike entre nous, quoi. D'accord, j'ai compris, oui. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Guillaume, Sandra? Disons que le feeling passait très bien, et puis il ne faut pas le cacher, hein, moi je le trouve très beau. D'accord. Et vous pensez que c'était la bonne personne? Vous êtes dit, c'est l'unique, c'est lui? C'était moi au masculin, donc... comme vous, alors. Vous cherchiez quelqu'un qui vous ressemble? Oui. Pas quelqu'un de complémentaire. Qu'est-ce qui vous a séparé ces quatre fois? Lui. En fait, il sortait trop, il voulait... C'était vraiment le gros fêtard, et puis moi, c'était pas du tout ce que je recherchais, et puis j'avais envie de me poser. Enfin, j'étais pas du tout dans le même tempérament que lui. Et vous avez pas lâché pour autant, hein? Absolument non, pas. Non, vous avez dit à chaque fois, je vais le reconquérir. Comment vous êtes prise? On s'est rappelé, on s'est envoyé des textos. Il faut dire qu'on vivait très mal les séparations. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, c'est-à-dire qu'on peut pas se séparer, on n'y arrive pas. Mais ça, c'est en vous séparant que vous êtes aperçu que vous ne pouviez pas vous séparer. Ça, il y a eu le coup de foudre au début qui a fait que, et là, on était toujours complices. C'était comment, toujours coup de foudre ensemble. C'était comment? C'est des pots de colle, des aimants. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se quitter. Ça a été très fort, quoi. On ne pouvait rien faire sans l'autre, quoi. Bon, le tourbillon de la jeunesse vous a éloigné d'elle. Vous avez été voir ailleurs? On a chacun essayé de refaire notre vie. Notre vie à votre âge, oui. Faites-la déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que nous, on avait essayé de... Pour moi, j'avais vraiment construit quelque chose de beau avec elle, quelque chose que j'avais jamais ressenti. Alors, parce qu'elle allait voir quelqu'un d'autre, c'est peut-être vérifier que la personne avec qui on est la bonne aussi. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on en voyant que ça se passe mal, c'est ça? Non, ça se passait pas mal avec les personnes. Avec les personnes, mais c'est-à-dire qu'on avait toujours un manque. Il nous manquait quelque chose. On avait besoin de s'appeler, besoin de l'autre. Et je ne me voyais pas sans elle. Alors, en fait, la grande question depuis le début entre vous, c'est ça marche plus, ça marche à nouveau. Et maintenant, qu'est-ce qui vous prouve que ça va marcher, quoi? Parce qu'on a décidé de se marier et que dans 5 mois, on sait plus pas. Vous avez un message à leur faire passer? Non, on va éviter les messages. Puisque nous, en fait, on se marie là dans quelques mois en France. Et puis, on se marie 1 an après au Portugal. Donc, Magali, l'experte. Tout de suite, les deux. Il ne faut pas laisser passer. Non, c'est pas possible. J'ai essayé. Mais d'abord, on va rappeler le curé, on va voir. D'accord. J'ai demandé à Lucie Vincent de venir nous rejoindre et nous apporter ses éclairages. Les encouragements du public. Vous êtes donc neurobiologiste, je le rappelle. Vous avez publié 2 ouvrages sur l'amour. Le dernier s'appelle « Comment devient-on amoureux ?» chez cette excellente éditrice qui est Odile Jacob. Alors, selon vous et Frédéric Becbédé, que nous saluons, l'amour ne dure que 3 ans. Mm. Oh. Alors, sur quoi ça se fonde? Mais il faut qu'on définisse l'amour dans ce cas-là. D'accord. Parce que je suis à côté de personnes qui vont dire le contraire, bien sûr. Donc, ce sont des martiens pour vous? Pas du tout. L'amour tel qu'on l'a défini tout à l'heure, quand on parlait de l'évolution, le bébé vulnérable, etc., les mécanismes donc, qui sont programmés dans le cerveau, ils font au minimum, la nature est économe toujours. Donc ça veut dire que l'amour va durer le temps nécessaire pour que ce bébé devienne un peu autonome. Donc à 3 ans, dans la nature sauvage, c'est le minimum. C'est-à-dire à ce moment-là, il peut au moins balayer un oiseau, chasser un vipère, attraper un fruit. C'est un petit être qui peut commencer à fonctionner. Et donc, au bout des 3 ans... C'est l'âge où on entre à l'école, hein, cela dit, c'est vrai. On vit aujourd'hui dans un milieu qui n'a plus rien à voir avec le milieu sauvage qui nous a formés. Et c'est de là que viennent tous nos problèmes d'ailleurs. C'est tout le sujet de mon deuxième livre, Les petits arrangements avec l'amour. Parce que nous devons transposer une biologie qui a été faite pour une vie d'il y a au moins 10 000 ans dans un milieu aujourd'hui où on a les hôpitaux, les dentistes, où les enfants rentrent à l'école à 3 ans, où on achète des maisons avec des hypothèques qui durent 20 ans. On a un engagement qui dépasse les 3 ans. C'est un milieu culturel totalement différent. Vous dites qu'il y a 2 phases dans l'amour. Il y a 2 phases donc dans l'amour. Il y a cette première phase biologique de passion, où j'appelle ça même la folie, l'amour fou, parce qu'effectivement le cerveau change d'activité pendant cette phase-là. 3 ans. Ça dure 3 ans et ça ne demande aucun effort. On est pendant cette phase-là, on pense qu'on est fait vraiment l'un pour l'autre. Estelle et Laurence sont ensemble depuis 2 ans.
C'est génial. Donc vous leur dites, profitez-en bien. J'espère que pour eux, ils vont faire la transition entre cette première phase donc, d'amour fou et la deuxième phase qui peut éventuellement durer toute une vie et qui peut casser au bout de 5, comme on a vu, de 10, 20, 30 ans, selon alors c'est quoi, plein de choses. Ce deuxième amour, comment vous le qualifiez? Moi, j'appelle ça l'amour-amitié. Parce que c'est quelque chose qui se construit. Même ça commence, et les chercheurs disent qu'ils savent, les amoureux qui vont faire la bonne transition, d'après ces critères de la première phase d'amour, c'est-à-dire l'investissement l'un dans l'autre. Ça, c'est toute la question qu'on pose ce soir, c'est comment savoir si on est fait l'un pour l'autre. Alors, comment les scientifiques s'y prennent? Je vais vous le dire, vous pouvez vous tester. On voit que les couples qui vont durer, pendant cette première phase d'amour, ils commencent ce qu'on appelle des cycles de dévoilement-approbation. C'est-à-dire que chacun, à son tour, va dans les dîners en tête-à-tête ou sur le canapé, etc., en regardant la télé, chacun se dévoile un petit peu. Il dit quelque chose, le concerne. Non, son point de vue, son avis, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et il attend que l'autre approuve. Oui, il adhère à ça, il est d'accord. Et puis lui, à son tour, il se dévoile. Et comme ça, les cycles tournent et on monte les enchères à chaque cycle. C'est-à-dire, on commence par les choses peu intimes et on finit par dire les plus gros trucs qu'on a jamais fait de sa vie qui pourraient éventuellement choquer l'autre s'il les savait au début. Donc, comment savoir si on est fait l'un pour l'autre, là? Alors, comment savoir, c'est que si ces cycles ont eu lieu, il y a eu investissement l'un dans l'autre et le couple se connaît. On connaît les choses sur l'autre. Donc, si vous demandez à un couple pourquoi votre partenaire, pourquoi vous aimez votre partenaire, s'il vous dit mon partenaire est le plus beau, la plus belle, génial, merveilleux, je l'adore, des superlatifs, tout ce que vous voulez, mais aucun indice sur ses qualités réelles. Rien pour vous dire, mais il aime la même poésie que moi. On rit au même film quand on va voir Woody Allen, c'est formidable. Donc dans le premier cas, c'est mauvaise piste, et là, dans le cas que vous êtes en train de décrire, évidemment, c'est bonne piste. Évidemment. C'est les vrais points de préférence, de référence commune. Oui, tout à fait. Et au bout de 3 ans, qu'est-ce qui se passe alors dans notre cerveau? Au bout de 3 ans, toutes ces modifications dans le cerveau, tous ces neurotransmetteurs qui ont été engagés, mis en route, devenus dynamiques, eh bien, petit à petit, ils retrouvent leur niveau de base avant l'amour. Et donc, à ce moment-là, les parties du cerveau, par exemple, qui sont responsables pour juger l'autre, le cortex préfrontal, lui, est mis un petit peu en sommeil pendant qu'on est amoureux, pendant la folie. Et donc, ça veut dire qu'on ne voit pas les défauts du partenaire. Ou si on les voit, on trouve que ça n'a aucune importance. Ça change. Au bout de 3 ans, il se réveille. Mais 3 ans pile ou... Non, pas 3 ans pile. Les chercheurs disent entre 18 et 36 mois. Évidemment, on n'a pas tous exactement donc, entre le même cerveau. Un an et demi et 3 ans, alors. Entre 1 an et demi et 3 ans. Donc, vous voyez, je suis généreuse. Ah oui, 3 ans, c'est la grande générosité, oui. Est-ce qu'il existe d'autres moyens de s'aimer vraiment plus longtemps? Vous nous avez parlé de... L'ocytocine. Alors, l'ocytocine a été aujourd'hui beaucoup décrit comme étant l'hormone du lien. Alors, l'ocytocine, toutes les femmes connaissent parce que c'est l'hormone de l'accouchement. Et il se trouve que cette hormone, l'ocytocine, est présente chez pratiquement toutes les espèces animales et sert à forcer deux êtres ensemble et faire de telle sorte que la reproduction se passe comme il faut. Et il se trouve que nous savons que chez l'être humain aussi, l'ocytocine est important pour le lien, pour tout ce qui est rapports sociaux et vraiment à très grande échelle pour l'amour. Hein, c'est l'hormone essentielle. Quand on fait l'amour, on libère des tonnes d'ocytocine. Ah oui. Comment savoir si on baigne ou pas dans cette hormone magique Il suffit de provoquer. Il faut faire le nécessaire. Ça, c'est au moins ça. Pendant... Mais comment faire pour que quand on passe dans l'amour irrationnel à l'amour rationnel, disons, pour que l'amour dure? Il y a peut-être d'autres trucs? Il y a beaucoup d'autres trucs, mais l'ocytocine, c'est notre base. C'est... Là, au moins, la biologie ne nous laisse pas totalement tomber. Et comment on la libère, cette ocytocine? Mais bon, comme je disais, il faut faire l'amour le plus souvent possible. D'accord, c'est bien, s'il vous plaît. Et faites-le après, hein. Bonne nouvelle. Ouais. C'est vrai. À part ça, tout ce qui est rapport intime fait libérer de l'ocytocine. Donc, les massages, bien sûr, les caresses, les baisers, quand on s'embrasse sur la bouche. Et même des sourires, même de se regarder les yeux dans les yeux, de faire un dîner en tête à tête, on est en train de provoquer la libération de l'ocytocine. Ce qui fait que ça nous renvoie à notre amour irrationnel. Ça entretient cet amour pur. Ça renforce les liens. Ça renforce le lien, en tout voilà. cas. Ça renforce la possibilité de trouver du plaisir dans la compagnie de l'autre. Vous avez entendu ces gens s'engueuler perpétuellement, d'autres se séparer plusieurs fois, etc. Donc vivre dangereusement, comme ça, vous pensez que c'est bien ?
Il y a un chercheur américain qui en a fait le travail de toute sa vie. Et lui, il dit que la dispute, c'est non seulement pas nuisible pour le couple, il dit même que c'est nécessaire et qu'un couple qui ne se dispute pas est en grand danger. Parce qu'un couple qui ne se dispute jamais, ça veut dire que l'un des deux partenaires a démissionné de son rôle dans le couple. Si je peux me permettre, docteur, votre expérience personnelle, est-ce qu'elle confirme vos expériences scientifiques ? Bah écoutez, moi je suis mariée, je dis toujours, hein, depuis 13 ans maintenant, mais j'ai bien fait de travailler le sujet. Donc vous êtes dans l'amour rationnel, quoi, là, maintenant. Vous êtes dans l'amour amitié. Vous êtes dans l'amour amitié. Comme ça, oui. Oui. Mais je crois sincèrement que de connaître un peu la biologie et la sociologie, la psychologie de l'amour, ça aide vraiment. Comment vous faites-vous, par exemple, pour entretenir la passion dans votre couple? Nous, on s'engueule beaucoup aussi. Ah oui, ouais. Mais non, tout ce que j'ai dit, je mets en pratique. Vous parlez aussi tout à l'heure de la rencontre, de l'odeur, de la forme du visage. Quand on va sur Internet, on n'a pas tout ça? Non. Alors, est-ce qu'on peut, on va voir notre enquête sur Internet qui est intéressante. 4 millions de Français l'ont déjà adopté. 4 millions d'adultes sont actuellement sur Internet en train de chercher l'amour de leur vie. Est-ce qu'ils vont le trouver comme ça? À mon avis, c'est une bonne approche parce que tous ces paramètres chimiques, oui, qui donnent la biologie, la folie, etc., ce n'est pas du tout une garantie que ça va durer. Comme on a vu, ça dure ces 3 ans et après la suite, ça dépend de l'installation de l'amitié qui est basée sur des paramètres beaucoup plus intellectuels et culturels, c'est-à-dire est-ce qu'on aime les mêmes choses, est-ce qu'on a des valeurs en commun. Alors, je me dis que peut-être quand on se rencontre sur Internet, d'abord on élimine ce que vous disiez, les choses graves avec lesquelles les personnes avec lesquelles on ne pourrait jamais s'entendre. Vous disputez tous les deux? En cœur, sur quel sujet par exemple? Le ménage. Ah oui. Le ménage. Mais inversé, c'est lui le maniaque et moi la bordélique. Ah bon, le ménage, c'est un bon sujet de dispute? Oui, bien sûr. C'est... Oui, ça fait partie des classiques aussi. Ça, c'est lié. Mes voisins sont des privilégiés. Carmel et Antoine, ouais. Ils viennent d'une génération où le rôle de la femme n'était pas du tout discuté. C'était fixé d'avance. Elle savait ce qu'elle devait faire, rester à la maison, faire des enfants, les élever. C'était... Qu'est-ce qu'il y a, Carmel? Mais c'était une chance, franchement, parce qu'aujourd'hui, les jeunes femmes, elles veulent une carrière. Elles veulent vivre à l'extérieur et elles ont raison, comme leur mari. Alors, ça remet tout en question. Tout ce qui se passe dans la maison maintenant est sujet de disputes. Anne-Catherine, en ayant recours au site de rencontre, vous aviez en tête de trouver le prince charmant ou de trouver juste des petites aventures? Non, trouver l'homme de ma vie, ah oui. Vraiment. Ah oui. Vous étiez partie là-dedans, donc oui. Vraiment, d'accord. À 100%. Pas un petit prince par-ci par-là, charmant. Non, les petits princes par-ci par-là, je les avais eus dans la vie, je vais dire, normale. Donc si je suis allée sur Internet, c'était pour trouver le bon. L'Internet n'a pas d'odeur. Alors comment vous avez fait pour trouver Olivier? On a créé l'odeur. Non, c'était... Ça a été très vite romantique, en fait. Je sais que ça peut paraître pour plein de gens pas romantique du tout, mais nous, on a très peu chatté, je crois pratiquement pas. On s'écrivait vraiment des emails, et je trouve que c'est un peu la version moderne d'aller à la boîte aux lettres chercher une lettre d'amour. En plus rapide. Voilà, c'est ça, c'était des emails d'amour. Et derrière, ça engendrait très vite, j'irais, des communications téléphoniques, puisque là, on s'appelait très rapidement, et sur de très longues durées. Vous cherchez la même chose que votre compagne, le grand amour? Moi, au départ, c'était plutôt un jeu, en fait. Ah oui. Moi, j'étais d'une relation, enfin bon, moi, je me suis beaucoup, beaucoup amusé. Et... Donc, c'était toujours dans le jeu. Dans le donjuanisme? Oui, un peu, je pense. Et puis, je me suis pris... Elle est contente, hein. Quand vous remuez le pied comme ça, c'est que vous êtes contente, non? Et puis, c'était vous, quoi. J'ai lu. Voilà. Là, je me suis pris au jeu, et puis voilà, quoi. Ah, sûr. Pardon. Les prétendants réels ne devaient pas manquer quand même, Anne-Catherine. Pourquoi vous êtes tournée vers le virtuel? Pourquoi vous avez choisi ce mode de rencontre? Parce que j'avais un peu de mal dans la vie réelle à me freiner. C'est-à-dire que j'avais des mauvais choix dans la vie réelle. C'est quand un garçon disait oui, vous ne saviez pas dire non, c'est ça? À peu de choses près, oui. D'accord. J'ai eu une vie... tu sais bien. J'ai une vie sentimentale un peu mouvementée avant et j'ai eu l'impression qu'en me mettant derrière un ordinateur, ça allait m'empêcher de foncer trop vite. Et de freiner vos pulsions? Oui, pulsions, enfin... de foncer moins vite, quoi. D'accord. Très vite, donc, un homme s'est démarqué parmi tous les prétendants. Il est à vos côtés ce soir. Quelle image vous faisiez d'Olivier avant de le rencontrer? Ce qu'il est, sincèrement ce qu'il est. Quelqu'un de très drôle, de romantique, d'attentionné. Il est d'une... Je ne le dis pas parce qu'il est là. Il est d'une profonde gentillesse. Tous les gens qui le connaissent le savent. Il est... Pour moi, c'est l'homme le plus gentil de la Terre. Et j'avais besoin de quelqu'un de très gentil, donc... C'était quoi le contenu de vos mails? C'était déjà des emails d'amour avant même qu'on se soit vraiment rencontrés. Exemple?
Ah mais justement... Ah bon? Oui, super. Oui. Je le savais. Hein, Ça, non. Il l'a écrit avant même qu'on se soit rencontré. Bougez pas, il y a deux minutes qui vous filment par derrière. Vous retournez pas. On s'était jamais vu. Je ne voulais pas tout parce que c'est assez long. Juste un petit exemple. Excuse-moi de me répéter, mais je crève d'envie de te voir, d'être enfin fixé sur notre sort. En fait, là, à ce moment-là, on ne s'était pas encore vu. Hein. Donc, excuse-moi de me répéter, mais je crève d'envie de te voir, d'être enfin fixé sur notre sort. J'ai pas envie de jouer, et encore moins avec toi. J'ai l'impression que dimanche prochain, c'est le bout du monde. J'ai peur que le temps, pour une fois, prenne son temps. Et que ce soit long à attendre. Je rêve déjà d'y être, de te serrer fort contre moi pour apaiser nos peines et nos craintes communes. J'ai envie de me dire que cette rencontre n'est pas possible parce que trop exceptionnelle. C'est joli quand même, non? Franchement, oui. C'est poétique. Hein. Non, franchement, c'est de moi. Je l'avais pas lu, c'est de vous. Non, c'est Thierry Lhermé qui dit de qui est-ce déjà? Oui, de moi finalement. Ouais. Au bout de combien de temps vous avez senti qu'il y avait baleine sous caillou, qu'il fallait vous rencontrer? On a commencé, je crois, on s'est rencontrés sur le site internet. Mi-février. Non, début février. Ouais, début et février. On s'est vraiment rencontrés le 9 mars. Ça voilà. A pris 5 semaines presque. Voilà, ah, c'est ça. Ouais. Et là, vous étiez vous un peu en touriste, quoi. Et puis cette femme s'est distinguée parmi les autres. Par quoi? Ben, je vais peut-être reprendre en fait ce que vous disiez, docteur. C'était surtout par des discussions, je dirais, ben, déjà très, très. Construite, j'irais, c'est-à-dire on parlait de littérature, on parlait de cinéma. De vrais goûts communs, quoi. C'est pas ça, c'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus fort, mais vraiment, on aime les mêmes choses. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. On s'est changé des recettes de cuisine, enfin... De la musique, on s'envoyait de la musique. Avant de vous rencontrer, tout ça, oui, tout les ça, recettes de cuisine, rencontrer. La musique, tout ouais. Ça, avant de vous rencontrer. Ouais. Non, c'était à méditer, enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous en pensez, Magali, qu'est-ce que vous en pensez? Magali n'a plus confiance et a peur. Oui. Donc. Mais la peur, ça bloque, hein. La ouais. Peur, ça paralyse. Ouais. C'est un problème. Même. Mais je pense non, mais moi, j'ai toujours cette idée en me disant, ça va très bien, on est très amoureux, et puis d'un seul coup. Tout va s'effondrer. Voilà, tout va s'effondrer du jour au lendemain, sans explication. La grande question, en fait, c'est comment vous pouviez être persuadée d'avoir trouvé l'homme de votre vie sans même l'avoir rencontré. Je crois que d'abord, on le sait. Intérieurement, c'est. Je dis, quand vous n'avez pas rencontré la personne et que vous rentrez chez vous super énervé, à foncer sur votre ordinateur, l'allumer pour voir s'il y a un email, c'est des choses. Alors que j'avais eu plein d'histoires d'amour avec des énormes guillemets avant, ça n'avait rien à voir. Alors on va regarder comment Estelle et Sophie espèrent faire la même pêche, non? C'est le grand amour que vous cherchez toutes les deux. Enfin, on ne cherche pas dans l'absolu, comme je pense que tu le cherchais quand tu dis que je cherchais le grand amour. Maintenant, le grand amour. Maintenant, c'est une possibilité de trouver l'amour. Mais moi, je ne suis pas dans la quête absolue de me dire le prochain que je trouve, il faudrait que ce soit le grand amour. Non, mais vous ne cherchez pas quelqu'un pour la nuit non plus? Ah non. Non, non. Non, parce qu'il y a pas mal d'histoires de fesses aussi sur Internet. Voilà. Quand même. Voilà, c'est ni pour la vie, ni pour la nuit, mais c'est l'amour qu'on cherche. Voilà. Alors, vous êtes célibataire donc, depuis 1 an, Sophie, depuis 2 ans, Estelle. Et depuis, vous tentez de dénicher la perle rare. Le plan de bataille, c'est Internet. On va voir ça dans un instant. Rechercher l'amour sur Internet, c'est quoi? C'est plus simple, c'est plus sûr? C'est plus pratique? C'est plus simple, parce que même si on rencontre des gens dans la vie de tous les jours, c'est vrai que là, c'est très simple quoi, de rencontrer quelqu'un. Après, aller jusqu'au bout de la véritable rencontre, c'est-à-dire du café, ne serait-ce que ça, c'est pas non plus... Moi, je le fais pas tous les jours, par exemple. Donc plus efficace quand même, c'est-à-dire c'est... Moi, tout un meilleur tri? Moi, je dirais que c'est en plus. Je dirais que c'est un autre moyen, en fait. Parce qu'on a des cercles professionnels, amicaux... Ils sont restreints. Voilà, qui finalement, au bout d'un temps, sont restreints. Donc c'est un autre moyen de rencontre, voilà. Alors pour ceux qui, comme vous, Sophie et Estelle, recherchent l'amour avec un grand A, donc il existe désormais, alors pour ceux qui ne le savent pas encore, des moyens de se rencontrer ultra perfectionnés, ça rime pas toujours avec romantique, mais d'essayer de trouver celui qui est fait pour nous, celui qui est vraiment taillé sur mesure, à notre pied, test personnalisé, algorithme de compatibilité, ça pourrait paraître un peu barbare par rapport à la rencontre de ces deux jeunes tourtereaux quand ils avaient 12 ou 13 ans, mais après tout, pourquoi pas, si ça marche, ne pas mettre toutes les chances de son côté. C'est une enquête sur le marché de la rencontre virtuelle que nous vous proposons, de Luxe Le vicier Olivier Barthélémy. La personne qui serait faite pour moi serait quelqu'un qui me plairait physiquement d'abord. Quelqu'un qui me ressemble, qui a envie de s'investir dans sa vie professionnelle. Il faut qu'il soit drôle, du caractère, du charisme. Bien de sa personne, qui accepte mon humour parfois corrosif. Trouver l'amour de sa vie grâce à Internet, c'est possible. Aujourd'hui, plus de 4 millions de Français tentent l'aventure sur la toile.
Mais lorsqu'il s'agit de quitter l'écran d'ordinateur pour la rencontre en chair et en os, il y a parfois quelques surprises. Parfois, il y en a qui mettent des photos d'il y a 5 ans, 10 ans, voire on se demande même si c'était bien eux sur la photo. Donc forcément, après, quand on voit la personne, on se dit « Ah, effectivement, c'est pas tout à fait ce que j'attendais. » J'ai été déçue par les aspects physiques. Des garçons qui se rajoutent quelques centimètres. Une fois sur Internet, il m'est arrivé de rencontrer une jeune fille qui, après avoir décidé tous les deux d'aller partir en week-end, deux jours avant, elle m'appelle pour que partir tranquille, il fallait que je lui paye son loyer à la fin de fin de mois. Donc celle-ci, évidemment, je l'ai vite raccompagnée chez elle gentiment. Alors, pour tous ceux qui ne veulent plus se tromper et qui cherchent l'amour, le vrai, les sites de rencontres ont mis au point des tests psychologiques, censés garantir une certaine compatibilité amoureuse. C'est un test qui prend un petit peu de temps, ça prend 40 minutes, il y a environ 100 questions, et ça nous permet de dégager notre portrait amoureux. Et donc, à la fin du test, on va découvrir la liste des personnes qui me correspondent. J'ai pas à aller chercher, on me propose des profils. Je vais pas aller pêcher. On vient m'amener le poisson, comme on dit. Notre amour à la machine. Guillaume Sampic, le patron de Parchi.fr. Sa société a été la première à mettre en place ce type de test. Dans toute l'Europe, leurs résultats sont plutôt convaincants, puisqu'un adhérent sur trois prétend avoir trouvé sa moitié grâce à ce site. Alors on peut considérer qu'effectivement, devant un PC, chercher l'âme sœur, ça a un côté pas forcément super sexy. Mais en même temps, ça a le mérite d'être efficace. Allez, à la machine. Pour encadrer ce test, le site propose une permanence téléphonique anonyme et gratuite, assurée par une psychologue. Comment fonctionne ce test? C'est ce que vont nous montrer Estelle et Sophie. Dans ma relation aux autres, je dirais que je suis plutôt téméraire ou réservée. Ah, téméraire. Pareil. Alors, pour moi, la meilleure manière de réconforter celui que j'aime, c'est lui apporter l'écoute dont il a besoin, trouver des solutions avec lui. Oh, trouver des solutions. Alors, tu fais... Bon, alors lui, je vais voir, on est compatible à 84%. Il habite en Seine-Saint-Denis. Vos valeurs communes. Ah, on partage. Allez, 83% de valeurs communes universelles. C'est extraordinaire. Tu l'as trouvé. Ça, je l'ai trouvé. C'est génial. Bon, il mesure combien? Bien. Bon, attends, on est tout... En fait, en orange, c'est moi, en vert, c'est lui. On est assez proche. Hein. Ouais. Voilà, maintenant on va aller voir sa photo quand même. Je préfère vérifier. Ah. Alors, est-ce que tu tentes le rendez-vous? J'accroche moyennement. Je préfère voir s'il n'y aurait pas d'autre. Oser, oser. Proposition de partenaire. Donc là, on a différents partenaires. Donc on va prendre le premier, puisque c'est celui qui a le plus de points de compatibilité. Désir d'une vie réglée, donc peut-être un petit peu moins que moi. Après, il faut voir sur quoi c'est basé. La maison et la famille, donc là, on est à l'identique. Ça sent bon, cette histoire, là. Bah ouais, ma foi, il n'y a plus qu'à. Donc, on va lui laisser un petit mot. Je sais que tôt ou tard, tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaierai d'être gay pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Donc là, j'ai le résultat du test et je vois que, bon, a priori, j'ai une Parisienne qui correspond à un taux d'affinité de 80%. Donc tout de suite, je ne me pose pas de questions, je clique dessus. Bon, est-ce qu'elle apprécie la solitude? Bon, non, pas du tout, alors que moi, oui, par exemple. Donc là, déjà, ça va être un petit peu bloquant. Moi, j'aime bien être tranquille de temps en temps. Elle, manifestement, pas du tout. Donc ça veut dire qu'il faut être constamment avec elle. Bon, allez, le tien maintenant. Bon, alors, mes compatibilités, 72% de compatibilité, c'est bien ça? C'est pas mal, allez. Je vais cliquer dessus. Convergence de nos visions, 85% sur les représentations de la vie commune. Waouh, ça c'est bien. Ouais. Bon, attends, on va aller voir sa photo maintenant. Ah bah, il est mignon, ça va, non? Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, je le trouve pas mal. Ouais, 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 non, il a l'air sympa, il est mignon. Et vous pensez vraiment que ces sites peuvent vous aider à trouver la femme qui vous correspond? Oui, je pense, oui. C'est un peu comme du marketing, on va en prendre 50, j'imagine, c'est un peu cruel ce que je dis, mais 50 pour arriver après sélection à trouver celle qui correspond parfaitement ou qui se rapproche de la perfection, parce que pour trouver la personne parfaite, je pense que c'est difficile. C'est peut-être pas trop glamour, mais d'un autre côté, c'est malheureusement la réalité du terrain. Hein.
Pour certains professionnels de la rencontre issus de la vieille école, ce type de démarche ne rime à rien. Michel dirige une agence matrimoniale depuis 15 ans. Il affiche fièrement un taux de réussite de 70%. Vous voyez, tiens, prenons un exemple simplement. Vous voyez ces deux personnes-là, c'est Alain et c'est Annie. Eh bien, ces deux personnes, je les ai reçues. J'ai passé avec chacune de ces personnes plus d'une heure et demie lorsqu'elles sont venues me voir la première fois, mais pour les écouter, les comprendre, reformuler leurs attentes. Sur Internet, ce n'est que du déclaratif qui n'est pas vérifiable. Souvent, on triche sur les âges, on triche sur les revenus, on triche sur son physique, on a des photos frelatées, c'est complètement mensonger. Excusez-moi, je vais être trivial, c'est souvent des plans cul qui sont proposés. Eh bien, chez nous, on ne vient pas rechercher ça. On vient rechercher une vraie rencontre. Quand on regarde quelqu'un, on est capable de voir son âme, s'il y a de l'authenticité, de la sincérité, et on ne se protège pas derrière un ordinateur. Autre site, autre particularité, ici, chez pointcommun.com, les gens se rencontrent sur un critère très raffiné, les affinités culturelles. Alors par exemple, je vais vous montrer une page membre, pour l'occurrence c'est la mienne. Donc ici il y a les infos de base, la photo, un petit texte d'annonce. Et ici on a un aperçu des goûts que j'ai pu déclarer sur le site. Alors par exemple, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur le lien « Il partage mes goûts » et je vais voir par exemple toutes les femmes qui ont des goûts proches des miens. Donc ça va mettre un petit peu de temps, voilà, ça sort. Donc ici, je vois qu'il y a 998 femmes qui ont des goûts en commun avec moi. Si par exemple, je tape « Ça se discute », et il y a ici 111 personnes, donc je vais voir tous les gens qui ont aimé cette émission. Voilà, donc il y a un certain nombre de femmes qui aiment votre émission. Et voilà, je peux effectivement lui écrire et commencer à dialoguer sur pourquoi elle aime cette émission et qu'est-ce qu'on a en commun éventuellement sur ce programme. Avec plus d'un million de références culturelles répertoriées, ce jeune site promet des atomes crochus à ses 15 000 adhérents. Une réunion est d'ailleurs organisée avec certains d'entre eux. On aimerait bien savoir, on est un peu curieux, qui parmi vous a rencontré finalement son compagnon ou sa compagne sur le site? Ouais, moi j'ai rencontré ma compagne. D'accord. Sur le site. D'accord. Donc en tu fait... avais déclaré tes préférences culturelles et elle aussi? Oui, et puis ouais. On s'est aperçu qu'il y a un peintre qu'on n'aimait pas du tout. Enfin, elle n'aimait pas du tout et moi beaucoup. Et ça a permis de discuter, c'est ça. C'est un peu paradoxal, mais c'était assez drôle. Donc on s'est rencontrés sur Point Commun. Et puis au départ, on est parti sur deux funesses. D'accord. Tout simplement. Ouais. Moi, j'adore le mimiquer, donc en plus, ça marchait bien, quoi. On s'est même fait une déclaration à travers le site. En fait, quand je lui ai envoyé sa déclaration, elle me dit « j'ai la larme à l'œil ». Alors, je fais « ouais, elle en rajoute et tout ». Et puis, quelques heures plus tard, je tombe sur une déclaration de sa part et j'ai eu aussi la larme à l'œil. Donc, j'ai dit « ah oui, non, elle a raison, c'est vraiment efficace, quoi ». Au total, plusieurs millions de Français surfent sur les sites de rencontres pour trouver l'homme ou la femme idéale. Mais la quête du grand amour par écran interposé n'est que le début d'une longue histoire. Il s'agit ensuite de se frotter pour de bon à la vie à deux. Et c'est peut-être là que commence le véritable défi. Là, on va rencontrer peut-être plus de personnes qu'on n'aurait pas rencontrées avant. Ça va nous ouvrir plus de portes, voilà, c'est ça. Après, est-ce que le test... c'est pas parce qu'on est compatible sur un test qu'on va être compatible avec la personne dans la vraie vie, donc c'est un plus pour rencontrer. Après, faut voir vraiment... c'est le début d'une chose, après, faut voir l'aboutissement de la chose. Voilà, Internet. Alors, il y a une question qui a été soulevée par le monsieur qui préfère rencontrer, organiser des rencontres humaines plutôt que des rencontres virtuelles. À savoir que sur Internet, on trompe souvent sur la marchandise. Il avait l'air énervé, hein. Mais non, je trouve qu'au niveau de l'âge, du physique, à part quelques kilos ou quelques centimètres... Les mecs trichent sur des kilos, les centimètres. Ils se grandissent, ils se mincissent. Ils se grandissent, ils se mincissent, voilà. D'accord. Quels sont vos critères principaux à vous? J'ai pas de critères, j'ai tout mis. J'ai juste mis une tranche d'âge, entre 25 et 35, par exemple. Et vous? Moi, j'ai mis une tranche d'âge et une taille minimum. Quelle taille? Vous aussi? Oui, 1m70. 1m75. D'accord. Pourquoi préférer ces sites à la bonne vieille rencontre en soirée? On préfère pas. Enfin, non, on préfère pas. C'est un autre moyen. Et c'est vrai que ça va plus vite. Ça permet de rencontrer d'autres personnes parce que finalement, dans les soirées, on va souvent dans les mêmes endroits, avec les mêmes gens. Et puis, moi, en ce qui me concerne, à mon âge, souvent avec des gens mariés.
Et une fois qu'on a fait le tour de tous leurs copains célibataires, divorcés, séparés, ça permet en fait, ce type de site, d'ouvrir de nouvelles portes. On passe vite. C'est intimidant la première fois que vous êtes entrée sur ces sites ? Bah, faut connaître. On moi, je sais que peu, je quoi. Me suis inscrite. J'avais quelqu'un déjà qui était inscrit, qui m'a montré comment ça marchait, parce qu'il faut comprendre les flashs, les chats, comment on peut repérer les gens, avoir une sélection et tout ça. Mais c'est vraiment très drôle, c'est plaisant d'y aller. Puis c'est tout. Enfin, on est. Ça met le trac. Enfin, c'est comme je sais pas, ouais, s'habiller avant de sortir en soirée ou. Ouais, monter l'escalier. Un petit truc. Vous êtes dans quel état, vous ? Non, moi, le track, non, le track, oui, lorsqu'on s'est bien entendu avec une personne virtuellement, par écrit, voilà. Virtuellement, et qu'on le rencontre dans la vraie vie. Vous avez déjà vous avez rencontré combien de garçons ? Trois. Trois, comment ça s'est passé ? Bah, à chaque fois, c'était trois garçons. Vraiment, je n'ai pas été déçue sur leur personnalité. J'ai passé une bonne soirée. Voilà. Mais ça ne collait pas non. Au niveau de l'odeur et de la forme du crâne. Voilà, là, je crois que c'est au niveau de l'odeur, il ne s'est rien passé. Ouais. Et vous ? Moi, j'en ai rencontré deux. Alors ? Bah, très sympa, on a passé toute la... enfin, on se retrouve en général vers 8-9 heures, et puis ça se passe bien, on dîne ensemble, même on sort après tard, mais ça s'est arrêté là. Enfin, il n'y avait rien de... Ça fait combien de temps que vous êtes sur Internet, toutes les deux ? Ça fait 8 mois. Ah ouais, donc vous prenez vraiment... Ah oui, mais quand même, en 8 mois, vous avez rencontré deux personnes seulement ? Ce qui s'est passé pour Anne-Catherine, c'est-à-dire tomber amoureuse avant même d'avoir rencontré la personne, est-ce que ça pourrait vous arriver ? Oui, ça peut arriver, oui. Je crois que c'est un coup de chance, comme on peut avoir la chance de tomber amoureux de quelqu'un chez le boulanger du coin ou dans une boîte de nuit. C'est pas spécialement parce que c'était Internet, c'est le coup de bol parce qu'on rencontre la bonne personne. Mais vous pensez que c'était écrit, quoi, hein ? Oui, ah oui, vraiment. Vous pensez que c'était le destin ? Ah, oui, absolument. Tout s'est pourquoi se fatiguer si tout est écrit, alors, je crois. Ah, mais il faut provoquer son destin aussi. S'il suffisait d'attendre assis que ça tombe dessus, ce serait trop facile. Vous espérez, quoi ? Ça pourrait marcher ? Ça pourrait, mais bon... On ne sait pas, hein, on ne peut pas savoir. Il y a combien de questions dans ces tests de compatibilité ? Une centaine, 98. Ah, quand même, ouais. Mm. Laurent ? C'est vous, Laurent ? Oui. Bonsoir, Laurent. On vous a vu dans le reportage ? Oui. Me semble-t-il. Racontez-nous ce qui s'est passé avec votre femme, cette histoire vis-à-vis des tests de compatibilité. Donc, vous étiez marié, vous ? J'ai été marié. Et vous avez fait le test après ? Ça faudra qu'on... Et j'ai fait le test après, comment oui. Ça elle est là ce soir, en plus, ah bon, en plus. À côté de moi. Comme ça, oui. Non, ça, normalement, on fait le test avant pour pouvoir se rencontrer ensuite. Vous l'avez fait après, ensuite ? Et non, je ne comprends pas votre question, là, docteur. Non, bah, c'est-à-dire que normalement, on fait ce test pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous étiez déjà marié, vous avez fait le test après ? Nous, on a vérifié que ça ne marchait pas, en fait. C'est-à-dire ? Bah, on a fait le test, on est divorcé depuis 15 ans. Et on a compris qu'en fait, on n'était pas compatibles. D'accord. Donc on en a la preuve, maintenant. Vous avez rencontré des personnes, d'autres personnes, grâce à Internet ? Oui. Combien ? Une trentaine. Ah ouais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, ce que tout le monde a oublié de dire ce soir, il y a eu des histoires et plus si affinités, puisque c'est le mot qui est employé sur les sites. D'accord. Et puis, voilà, quoi. Donc, j'ai retenu qu'il y avait de la dopamine. Donc, si on pouvait l'acheter en synthèse, ça serait pas mal. L'ocytocine. Aussi. Oui. Tocine. On peut l'acheter, mais il faut l'injecter directement dans le cerveau. Alors, pour une première rencontre, c'est un peu limite. Non, mais vous pensez qu'il faut essayer avant d'adopter, quoi. Enfin, Absolument. Ouais. Quels sont les autres avantages que vous voyez dans Internet ? Ben, c'est qu'on peut directement choisir un peu, je dirais, vulgairement, dans le catalogue. C'est-à-dire que vous avez devant vous 500 fiches, 600 fiches, donc vous prenez sur ce qui va vous arrêter. Donc, même si beaucoup de gens ne sont pas d'accord, le physique compte beaucoup. Alors, les dames disent que les messieurs, on est des chasseurs invétérés, peut-être, mais elles sont peut-être un petit peu aussi trop exigeantes sur ce qu'elles veulent et ce qu'elles cherchent. Vous en pensez quoi ? Elle n'est pas d'accord, ouais. C'est sûr. Moi, je suis assez exigeante et je pense que... Non, bah, y a des gens qui me plaisent ou qui ne me plaisent pas, mais je pense que je... Pas rate des occasions, mais des fois, les photos, c'est pas du tout représentatif, certaines fois, de la personne, vraiment. Et je suis allée à des rendez-vous, notamment une, la personne, je me disais, il est vraiment bien, et j'arrive au rendez-vous. Non, c'était l'inverse. Par rapport à la photo ? Voilà. Et après, j'ai rencontré d'autres personnes dans des cafés par des amis d'amis. J'ai su après qu'ils étaient inscrits sur le même site que moi. Donc, pour se marier, on est allé se voir. Et c'est vrai que j'aurais vu la photo, je pense que j'aurais pas du tout parlé à la personne. Donc, je pense qu'il faut... Vous y croyez, Laurent, trouver la femme de votre vie maintenant sur Internet ? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je crois en tout, de toute façon. Ouais. Mais par contre, je crois qu'il y a mon ex qui va vous dire quelque chose. T'en prie.
Bonsoir. Bonsoir. Oui, Laurent m'a fait un très beau cadeau il y a quelques jours, puisqu'il m'a dit, donc effectivement, fais donc le test de, compatibilité. Psycho, voilà. J'ai fait ce test et j'ai constaté, en fait, j'étais impressionnée par la qualité, effectivement, et la richesse des questions. Et j'ai sélectionné 5 personnes. Enfin, disons, le système m'a dit que j'avais 100 profils avec un décrescendo, en clair. En du plus compatible au moins voilà, compatible. Exactement. Ouais. Donc j'ai regardé dans les meilleurs, j'en ai sélectionné 5 et le système propose effectivement de cliquer si on veut être en contact avec ces personnes, dire je souhaite le contact. Donc j'ai cliqué sur 5 et le soir même, donc une personne m'a répondu très rapidement et nous étions stupéfaits en fait de la compatibilité à 73%. Et donc je lui ai écrit, mais on était sidérés, il m'a dit mais c'est formidable, je vous épouse tout de suite, point de suspension. Et je lui ai dit mais... Ok, très bien, c'est formidable, mais qu'allons-nous faire? Comment allons-nous gérer nos 73%? Et surtout les 27, si vous me permettez. Oui, alors, ouais. Tout à fait, oui, tout à fait. Et à partir de là, un dialogue, effectivement, on a regardé nos compatibilités, qui étaient tout à fait étonnantes. Le contact s'est encore plus établi, téléphone, il m'a donné son téléphone, j'ai appelé, nous avons parlé pendant plus de 2 heures. Et depuis 48 heures, nous sommes en train de développer un amour naissant qui est tout à fait qui est sidérant, parce qu'en fait c'est complètement naturel. On peut parler de naturel, en fait je crois que le terme qui revient dans les propos que nous échangeons avec des heures maintenant de communication téléphonique, encore 3 heures hier, nous fait apparaître que 48 heures et c'est déjà l'amour, quoi. Oui et donc je finis juste, Laurent, excuse-moi. Juste pour dire, non, parce que je suis extrêmement enthousiaste de cela, mais je pense qu'il y a peut-être que ça marche au moment où ça doit marcher. Je pense que ça aurait pu se faire effectivement en allant acheter son pain ou ce genre de choses. Alors, bien sûr, physiquement, on ne se connaît pas. On se voit dimanche pour la première fois. Bonne chance. Donc, à voir ensuite. Mais on est tout à fait confiants l'un et l'autre. Vous avez vu sa photo? Non. Non, non, nous n'avons pas souhaité envoyer de photo. Parce qu'en fait, on est d'accord tous les deux qu'une photo, c'est pas les 3 dimensions, c'est plat, que certaines personnes sont plus photogéniques que d'autres. Et donc, je lui ai dit, mais si on se trouve hideux l'un et l'autre, malgré toute la bonne entente qui se produit, de communication d'une rare excellence qui se produit depuis 48 heures, comment est-ce qu'on sera capable tous les deux de se dire ouvertement, on ne se plaît pas? Oui, mais il m'a dit, moi, ça n'est pas un problème, je suis sûre qu'on se plaira. Bon, à suivre donc. Hein. À suivre. Tenez-nous au courant. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous en pensez, Magali? Sceptique. Sceptique. Ouais, quand même. Et vous, Marie? Oui. Sceptique aussi? Non, le contraire. Vous y croyez? Ouais. Je crois, oui. Rien vous laissait présager que Franck serait l'homme de votre vie. Vous-même, vous avez eu du temps à y croire. Et pourtant, dans quelles circonstances vous l'avez rencontré, vous? Très simplement, hein, j'étais en face du lycée, donc j'étais lycéenne à l'époque. Je fréquentais un bar et puis je voyais passer un jeune homme. On s'est rencontrés comme ça, en fait. Hein, Vous avez senti dès le premier flirt que ça allait durer ou... Non. J'ai un peu de mal à... Je vous en prie, hein, à réenclencher. On réenclenche calmement. Ouais, je vous en prie. Donc je fréquentais un bar et on s'est rencontrés dans ce bar et il m'a invité en discothèque. Et quand il m'a ramené discothèque, il m'a embrassé, donc il m'a déposé un baiser très tendre. Donc voilà. Et puis votre histoire s'est arrêtée avant même d'avoir vraiment commencé? Ça a duré un mois, au bout d'un mois effectivement, donc il a été incarcéré. J'ouvre le journal, hein, je vois un article, hein, oui, je pressens quelque chose. Non, il n'y avait pas son nom dessus, mais je ressentis quelque chose qui m'a... Puis 2 minutes après, effectivement, la patronne me confirme que Franck est bien lié à cette affaire et que, bon, ben voilà, il est incarcéré. Pour complicité de meurtre? Pour complicité de meurtre, oui. Ça vous a fait quoi, ça? Choqué, hein, parce que, bon, finalement, je ne le connaissais pas, ce garçon. Hein, je le connaissais pas, il m'avait juste embrassé une fois. En 2 rendez-vous, c'est vrai qu'on ne peut pas juger d'une personne. Non. Et quelque part, j'avais l'impression que le monde s'écroulait, que c'était ma vie, enfin, que je venais de passer à côté de quelque chose, qu'il y avait une histoire qui allait se faire et qui ne s'était pas fait parce que... Ben... Mais moralement, le fait qu'il soit complice d'un meurtre, ça vous a fait quoi? Mais je ne cautionne pas. Hein, Non. Mais vous ne jugez pas pour autant? Non. Ouais. Là, vous êtes allé le voir régulièrement en prison pendant 3 ans? C'était facile d'assumer de tomber amoureuse d'un prisonnier? Non. Ça vous dérangeait pas? Non. Ça vous dérangeait? C'était difficile. Donc, effectivement, j'ai essayé d'en parler un petit peu à mon entourage. Ma mère avait de suite clôturé l'affaire. Elle était tombée sur une lettre. Elle m'avait dit, attention, qu'est-ce que c'est cette histoire? À l'époque, j'étais étudiante. On se fréquentait. C'était une double vie. Donc, en fait, il y avait moi à l'extérieur qui vivais ma vie de jeune fille, hein, qui continuait ses études, qui avait des fréquentations.
Et puis j'allais voir ce jeune homme en prison pour qui j'avais ressenti une forte émotion. Et c'est lui qui un jour vous a dit « arrête de venir ». Voilà, au bout de 3 ans, donc effectivement, il a... Pourquoi ? C'était difficile pour lui de vivre enfermé et d'avoir le cœur et l'esprit à l'extérieur. De penser à quelqu'un, puis de me voir venir, de... Et puis, on souffrait tous les deux. Hein, il avait pris 20 ans en plus. Il avait pris 20 ans à l'époque, hein, c'était en 94, donc bon... À un moment donné, c'est difficile de... On ne faisait pas de projet, bien sûr. Quand on a moins de 20 ans, de se projeter à plus de 20 ans, ça devient compliqué. Néanmoins, vous vous êtes retrouvés. Ça a été des vraies retrouvailles. Qu'est-ce que vous avez ressenti avant ces retrouvailles, d'abord Donc, avant ces retrouvailles, je me suis retrouvée un soir de Noël à regarder le ciel et à m'adresser à je ne sais pas qui, hein, et puis dire, effectivement, j'ai fini mes études, je suis entourée, je suis aimée de ma famille, j'ai une bonne situation professionnelle, mais je suis malheureuse. Je suis malheureuse et j'aimerais trouver l'amour. Se passe 2 mois, on arrive en février, date à laquelle il a été incarcéré, date de son anniversaire. Et là, j'ai l'impression que c'est le monde, enfin le ciel me tombe sur la tête. La grosse révélation, l'angoisse que j'avais ici depuis des années sort. Et je me dis, en fait, tu n'arrives pas à avancer effectivement parce que tu es peut-être déjà investi autre part, donc dans cette relation. Et si tu veux passer à autre chose, il faut aller le voir. Parce que j'avais toujours cette appréhension de me dire un jour il sortira et puis je vais me retrouver confrontée à cette montagne. Donc je vais le voir hein, après 4 ans de séparation. On se retrouve une heure de parloir. Hein, j'arrive 4 ans après, effectivement, je suis un peu lui aussi. Hein, il se demandait, lui, pensait que j'avais fait ma vie, que j'avais des enfants, que j'avais une situation. Moi, je monte le voir en me disant il y a un livre, il y a une histoire à terminer. Monte le voir et puis on verra après ce qui se passe. Donc je ne savais pas non plus que. Bref, se passe une heure de parloir, on discute, on se touche, on s'embrasse parce que le contact est là, parce qu'effectivement, il y a toujours eu quelque chose. Et au bout de cette heure de parloir, quand on se prend la main et quand on se lève pour partir, donc je sais pas encore, hein, j'ai un flash, donc cette fameuse vision, où en face de moi, j'ai un gardien à un mur, et puis d'un coup, tout est blanc. En face de moi, c'est un hôtel. Et se déroule A-U-T-E-L. Un hôtel d'église. Hein. Je sens comme un tapis rouge en dessous, mais un bien-être comme jamais je n'ai ressenti. Un bien-être fou. Et comme si, à un moment donné, quelqu'un me disait, écoute, ton chemin, il est là. Donc, soit tu es capable de le percevoir, de le ressentir et de le voir. Mais je comprenais. Enfin, voilà, donc j'ai cette vision d'un coup et bon, je sors du parloir complètement perturbée. Hein. Qu'est-ce que vous comprenez de cette histoire, Lucie, vous ? Endorphine. Moi, je comprends. Endorphine. Endorphine. Endorphine, oui. Beaucoup, en quantité. Oui. Ouais. On passe, moi j'ai cette vision, je n'ose pas lui dire de suite parce que je me dis, il va dire, mais elle est complètement à côté de la plaque. Et puis lui m'avoue, au moment où je lui raconte ça, quelques jours après, que lui, il a eu un très très fort ressenti. Il a eu l'impression qu'on s'était quitté hier et qu'il ne s'était pas passé 8 ans. 8 ans. Ouais. Qu'il ne s'était pas passé toutes ces années, qu'on s'était quitté hier. Il a eu le même déclic. Il a eu, ça a été une révélation. À un moment donné, on est fait l'un pour l'autre. Cette histoire, elle est destinée, elle est écrite, on se dit plein de choses. On est passé par toutes ces étapes. Hein. Oui, dévoilement, approbation. Voilà, après cette période, parce que quand on s'est retrouvés, il avait un portable à l'époque, donc on se téléphonait à peu près 30-35 heures par semaine. En prison, il avait un portable ? En prison, oui. Mmh. Et donc, sur une période de 6 mois, on a rattrapé un temps qui a été... on avait évolué, moi j'avais grandi, je m'étais formée, j'avais... Lui, il avait changé aussi, hein. C'était un délinquant à l'époque, et je retrouve un homme mûr, mature, qui a engagé des projets professionnels, qui a un avenir, enfin qui... Tout ça en prison aussi. Ouais. Tout ça en prison aussi, oui, donc c'est... Enfin, il faut du courage aussi, hein. Il faut beaucoup de courage, oui. Ouais. Donc vous l'admirez et vous l'aimez, quoi, les deux. Voilà, oui. Et puis il est en liberté conditionnelle, ça fait maintenant un peu plus d'un an. Un an et demi, oui. Vous êtes ensemble ? On est ensemble, sur la période à laquelle on s'est retrouvés jusqu'à aujourd'hui, c'est passé plus de 4 ans. Donc on a construit des projets ensemble, on a pris un appartement ensemble alors qu'il n'était pas encore là. Et la révélation que vous avez eue, elle se confirme ? Oui, oui, elle se confirme complètement. Vous en pensez, Lucie, il y a les bases d'une construction pérenne ? Mais je pense que vous avez beaucoup d'atouts dans votre histoire. Et puis, il y a le stress de la situation où vous pouviez former un couple uni contre le monde extérieur, contre le monde entier. Vous étiez unis. Et c'est ça qui manque un peu dans la vie aujourd'hui. On vit plus dans un milieu stressant. On a la vie assurée pour nous. Si on a l'impression d'être stressé pourtant, mais c'était plus dur avant, en fait. Hein. Mais c'est-à-dire que les stress, autrefois, étaient de réels stress de survie. De survie. On pouvait se faire tuer par une bête. On pouvait ne pas trouver à manger pendant des semaines et des mois. On pouvait avoir des accidents et
allait perdre un doigt qui menait à la mort, plus de dents, la mort. Donc, l'époque a changé, mais l'humain est resté le même. Hein, exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, comment on est un être qui est fait pour vivre en éveil, pour être justement face à ces stress éventuels, et les stress extérieurs n'arrivent pas, eh bien, on trouve des stress dans le couple. On trouve que l'autre est très, très pénible et c'est lui qui nous gâche la vie. Tandis que quand on a un vrai stress extérieur... Oui, ça permet d'être ensemble contre le monde entier. Ça ressout terriblement. Oui. C'est très efficace. Et cette histoire, vous avez déjà, je ne sais pas si quelqu'un, sans doute beaucoup de gens ont déjà ressenti quelque chose, c'est-à-dire une haine, quelqu'un, ça ne va pas du tout, ça ne peut pas coller, et puis finalement, ça se révèle être le grand amour. Ah, ouais, comment oui. vous l'expliquez, celle-là? C'est un vrai sujet, la haine, parce que la haine et l'amour, c'est très, très proche. Et vous remarquerez, vous ferez une émission un jour sur les couples qui se terminent et les sentiments qu'on a à ce moment-là. Ce n'est jamais l'indifférence, c'est toujours la haine. On bascule de l'un à l'autre très facilement. Et les toutes dernières recherches montrent qu'effectivement, c'est toujours l'ocytocine qui agit dans ce sentiment de haine. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce qu'une émotion forte transforme en son contraire. Ça vous a surpris pourtant, Julien, vous, hein? Oui, oui. Parce que vous étiez vraiment pas fait l'un pour l'autre quand vous vous êtes rencontrés en quelle classe? Première. Première, vous aviez quoi, 17 ans? Bon, 17 ans, j'étais pas majeur encore. Ouais. Elle l'était, mais pas moi. D'accord. Fait. Et rien ne vous enfin, tout vous opposait? C'était... Et au point de vous détester, de vous ouais. mépriser? Mépriser, oui. C'était... Mais je pense que c'était de l'incompréhension et plus une bataille aussi. Puisqu'on avait deux milieux et deux origines différentes. On était plus une fille, entre guillemets, de la ville et moi, plus vraiment quelqu'un de la campagne, vraiment de rurale. Je pense qu'on avait vraiment une incompréhension, puis elle était quand même brute de décoffrage, c'était une écorchée vive. Et puis bon, moi j'étais quelqu'un d'assez respectueux, j'ai dit bon, la campagne on voit... Bien élevé, comme on dit. Oui, voilà, on peut dire ouais, ça comme ça. Oui. Ouais, et ouais. puis donc je comprenais mal ces réactions vives qu'elle pouvait avoir par moment. Et donc c'est vrai que ça créait un petit peu une tension entre nous. Je comprends. Donc c'était un petit peu la différence. Enfin, en tout cas, c'était pas de l'indifférence, ça c'est non. sûr. C'était électrique. C'était électrique, oui. Et comment ce qui était de la haine s'est transformé en amour? Je sais pas. Un jour, c'était une rentrée, la rentrée de terminale en fait. Je me suis approché d'elle, puis je lui ai fait, je dis, il est temps qu'on enterre l'âge de guerre, je dis, ça a trop duré, parce que bon... On avait... Et puis bon, ça s'est fait petit à petit, je pense qu'on a appris à se connaître, à se comprendre. Et puis à l'occasion de travaux en commun, j'allais dire, au cours de l'année scolaire, bon, ça nous a permis, j'allais dire, de nous rapprocher. Enfin, plutôt un de mes copains dans un premier temps, puis moi par la suite. Puisqu'elle a d'abord été avec un de mes copains avant du de groupe. Se rapprocher. Du ouais. groupe, oui, mon groupe d'amis, avant d'être avec moi, en fait. Et passer par le satellite avant d'atteindre l'astre. C'est ça. C'est ça, oui, un peu de choses près. Vous disiez que les contraires s'attirent d'une certaine manière. Oui, ça dépend pour quels paramètres. Il y a, bon, pour les odeurs, c'est les contraires. Pour les valeurs, on cherche quelqu'un qui nous ressemble. Par exemple, le sens de l'humour, ça joue un rôle primordial dans la rencontre, parce que quand on peut rire des mêmes choses, on a beaucoup de valeurs de base en commun. C'était le cas? Non. Non. Et ce n'était pas le cas, mais justement, non. c'était l'étrange. Je pense qu'on pourrait interpréter ça comme un couple qui a la biologie qui fonctionne, les attirances chimiques qui sont là, mais qui ne reconnaissent rien en l'autre dans ce qui fait les valeurs en commun. Alors que vous admettiez, Julien, que votre ennemi était en fait la femme de votre vie, il a fallu que ça mûrisse, oui, ça mais... tourne là-dedans, là-haut, au premier étage. Oui. Elle vous a quitté. Elle est partie, oui. Pour quelle raison? Pour elle, vivre son grand amour, soi-disant. Pas vous, donc un autre. Oui. Quel autre connaissait grand déjà amour? Avant moi, j'allais d'avant dire. D'avant vous? Oui. Au cours de nos études, en fait, on avait différents stages à faire. Elle a décidé de partir en Afrique, où elle a rencontré quelqu'un avec qui elle avait flirté. Et puis, elle est partie pour cet Africain? Oui. Avec lequel elle avait flirté. C'était dur pour vous? Ça l'est toujours, plus ou moins. C'était il y a combien de temps, ça? Trois ans. On est parti il y a trois ans. Comment vous avez vécu la rupture? Comment vous l'avez traversée, je veux dire? Ah, c'est passé par différentes choses. Bon, je pense que quand on a vraiment du chagrin d'amour, on passe tous par de l'alcool, des envies peut-être suicidaires. Enfin, peut-être pas tous. Moi, je suis tombé dedans, j'allais dire, parce que je me trouvais dans une région que je ne connaissais pas, où j'avais peu de proches, j'allais dire. Tout le monde était loin de moi. Donc tout s'écroulait, avec cet amour qui s'éloignait, tout s'écroulait pour vous, j'imagine. Ah, tout, ouais. Total. Elle m'a aidé aussi à progresser, moi, j'allais dire. Bon, j'avais des façons de penser, des façons de voir les choses, d'envisager l'avenir qui étaient vraiment
Elle vous a ouvert l'esprit? Ah, complètement. Et puis elle est partie? Et puis elle est partie. Depuis, et quelles répercussions ça a eu sur votre vie amoureuse depuis? C'est, je fais ménage à trois aujourd'hui. Ça, vous êtes avec une femme? Oui. En pensant à une autre? C'est à peu près ça, oui. Et comment elle le vit, celle avec qui vous êtes aujourd'hui? Très difficilement. Mais je veux pas la... non plus. Bon, je veux dire, je l'ai toujours prévenu dès le départ, parce que j'ai rencontré, j'ai testé aussi les rencontres internet. Hein. Alors bah pour moi, ça a que été des échecs, mais enfin bon. Ah bon, il y a aussi le fait que... Bon. On a un exemple au moins que ça fonctionne. Hein. Oui, mais tant mieux. Hein, c'est... Alors, enfin, un, c'est pas la règle, il y en a un peu plus, mais voilà, bon, mais ça peut fonctionner. Sûr. Voilà. J'en ai testé quelques-unes. Enfin, ça peut foirer aussi, quoi. Oui, non, mais voilà, ouais, non, mais voilà. Bon. Non, parce que je me suis dit, faut. J'ai donc, deux vous solutions. L'avez toujours en tête, cette fille? On dit plus je l'ai dans le cœur, on dit je l'ai dans la tête depuis cette émission. Ouais. Oui, c'est vrai, oui. Dans la peau, dans la tête, c'était ouais, vraiment. C'est omniprésent, et puis très peu de personnes avec qui vraiment en parler pour se soulager. Mais donc, j'allais dire, les seules que je peux avoir, c'est ma compagne actuelle, par exemple. Donc, c'est vrai que j'en parle beaucoup, ça aide aussi à me libérer. Elle en prend conscience, elle est très patiente de ce. C'est pour ça, je la remercie énormément, mais bon. Mais j'ai toujours dit, voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Donc, enfin, elles sont comme ça, je pense à quelqu'un d'autre aussi, tu le sais, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Je veux pas te promettre des choses que je pourrais pas te tenir non plus. Dis-lui, toi, que je t'aime, enfin, c'est un peu. Oui, c'est un Qu'est-ce que tu as pensé, Lucie? Mais c'est un syndrome de manque. Hein. C'est l'amour utilise les systèmes dans le cerveau qui sont les systèmes qui sont attaqués par la drogue. Quand on prend de la morphine, ça produit les effets comme les endorphines, que je disais tout à l'heure, pour l'amour. Donc quand l'objet de l'amour s'en va, quand on n'a plus sa drogue, on a un syndrome de manque. Hein. C'est oui, très, très pénible. Oui, c'est certain. Oui. Alors la grande question quand même, c'est est-ce que vous vous sentez condamné à vivre dans le souvenir de la seule femme qui était faite pour vous? Condamné, peut-être. Peut-être pas. Je veux regarder l'avenir optimiste en me disant, je veux croire qu'un jour, bon, ça s'effacera jamais, c'est certain. On est reçu hein, là-bas. Quel pays d'Afrique? J'allais dire à la base, il est ivoirien, mais ils vivent au Sénégal, puisqu'en Côte d'Ivoire. Sénégal, hein. Ah, oui, oui. Bon, très bien. Bon. Et alors? Non, mais rien. C'est non, mais j'ai toujours peur, j'allais dire. Mais malheur actuel. Hein, là, ça vous rend nerveux ce que je viens de vous dire? Ouais. Vous dites pourvu que j'ai pas dit des trucs qui vont la blesser? Non, c'est pas qu'ils vont la blesser, c'est toujours. Je respecte ses choix et même à l'heure actuelle, je ne sais même pas si tout ce que je peux faire, elle aurait été. Enfin, elle serait ou d'accord avec moi. J'allais dire, je me surprends même encore quand je vais acheter quelque chose à l'heure actuelle en me disant est-ce que ça lui plairait? Je ne sais pas. Qui n'a pas connu ça, franchement? Non, mais. On a tous connu ça. Vous avez quel âge? 24 ans. Vous allez me dire... J'ai rien dit. Mais, j'imagine, puisque j'ai déjà tellement entendu, j'allais dire l'avenir allez, est devant moi. Allez, l'avenir est devant toi, ouais. Qui vivra verra, c'est rien mon gars. Ça, ouais. Pourtant, c'est le genre de choses qu'on n'a vraiment pas envie d'entendre. Je demande à Dominique Lapierre de venir nous rejoindre pour la conclusion. Merci Julien. Bonjour Dominique. Grand écrivain qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonjour Dominique, allez-y. Désolé Dominique, il n'y a qu'une place pour deux. Oh, vous mais êtes une femme qui sait s'effacer. Nous sommes fusionnels. Fusionnels. Oui, il y a eu un très beau témoignage tout à l'heure de... Ah oui, de fusion. De Laurent, où il a dit, pour faire un bébé, il faut être fusionnel. Et j'ai trouvé cette expression absolument magnifique. Ça fait combien de temps que vous êtes fusionnel avec votre femme? 42 ans. Qu'est-ce que vous avez pensé des histoires des uns et des autres? Écoutez, je voudrais vous dire que je n'aurais jamais vu cette émission. Je serai mercredi dans le Delta du Gange. Oh. Et France 2 n'est pas retransmis dans le Delta du Gange. Et vous m'avez donné ce soir l'occasion d'assister à une extraordinaire émission avec des témoignages que j'ai trouvés d'une beauté exceptionnelle. Qu'est-ce qui vous a touché? Chacun, à sa façon, démontrait qu'au fond, on peut toujours trouver un moyen d'être indispensable pour l'autre et de chercher l'autre. Et ça a été pour moi vraiment une révélation de voir que, vous savez, une personne que j'aimais beaucoup, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui était la mère Teresa, a dit un jour à des journalistes occidentaux, elle leur a dit, vous savez, vous autres, dans vos pays riches, vous souffrez d'une lèpre bien pire que notre lèpre dans les bidonvilles de Calcutta, et cette lèpre s'appelle la solitude. Et là, ce soir, vraiment, On répond à Mère Teresa. C'est une réponse à Mère Teresa. Qu'on y arrive, on essaye, en tout cas. J'ai entendu tellement de témoignages fantastiques sur ce désir d'échapper à la solitude, de fusionner, de devenir fusionnel. Et je pense, bien qu'on n'en ait pas peu parlé, que l'harmonie physique aussi est extraordinairement importante pour continuer
à conserver cet amour fusionnel. Vous êtes d'accord avec tout ce que dit Dominique, Dominique ? Pour l'harmonie physique et l'harmonie de tout, du partage des valeurs et de, d'avoir des projets ensemble et de pouvoir tout partager. Alors, pas tout seulement partager. Le même prénom. Oui. Mais, et dans notre vie, la seule chose qui est un tout petit peu difficile, c'est que nous vivons et nous travaillons ensemble. Donc 24 heures sur 24. Donc il faut se réserver des plages, chacun, laisser l'autre libre de faire ce qu'il a envie de faire. De temps en temps. C'est indispensable pour pouvoir donner et partager. Il faut aussi recevoir et penser à soi aussi. Eh bien, que chacun fasse sa petite histoire avec tout ça. La semaine prochaine, dans Ça se discute, nous parlerons du cancer. Comment se battre contre le cancer ? C'est un sujet qui n'a rien à voir avec ce qu'on a évoqué ce soir. En tout cas, un grand merci à nos invités qui nous ont donné des recettes pour la vie à deux. Réussir sa vie de couple, c'est peut-être la grande question, la grande aventure de notre vie, en tout cas la source principale de notre épanouissement, me semble-t-il. Écouter les histoires des autres pour essayer de mieux trouver le bonheur à deux, ben, c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir ensemble dans Ça se discute. Merci d'avoir été avec nous, mercredi prochain, si vous le souhaitez. Bonsoir. Quelle femme faut-il être pour plaire aux hommes ? C'est le thème d'un prochain Ça se discute. Vous avez trompé ou quitté votre compagne pour une femme plus pulpeuse ? Vous n'aimez que les femmes blondes ou les femmes rondes ? Vos rondeurs sont un atout de séduction ? Vous êtes blonde, vous avez l'impression d'être réduite à un fantasme ? Enfin, vous avez changé physiquement pour plaire aux hommes ? Contactez-nous au 01 53 84 30 55.